Bonsoir. Madame la directrice des études et de la scolarité de Sciences Po, chère Bénédicte Durand, Madame la doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po, chère Marie-Laure Djelic, cher professeur Boeuf, qui nous fait l'amitié d'assurer pour cette rentrée solennelle la leçon inaugurale que nous allons entendre dans quelques instants. Monsieur le directeur exécutif de l'école du management et de l'innovation, que je n'ai pas aperçu, je ne sais pas où il est, Olivier, ah, il est là-haut. Nos amis de Chapsalle sont tous présents ou pas? Il n'y a personne en Chapsalle, je crois. Olivier est tout seul. Mesdames et messieurs, les enseignants et enseignantes de l'école du management et de l'innovation qui nous fait aussi l'amitié d'être rassemblés dans cet amphithéâtre en cette soirée particulièrement chaude de la fin du mois d'août. Chères équipes de l'EMI, et bien sûr, chères étudiantes, chers étudiants, mon nom est Frédéric Mion, je suis le directeur de Sciences Po, et c'est à moi que revient l'honneur de prendre la parole en premier pour vous souhaiter la bienvenue à Sciences Po, à l'orée de cette année universitaire. My name is Frédéric Mion, and I'm the president of Sciences Po, which has a much nicer ring to it than directeur. And it behooves me to wish you all a very warm welcome, no pun intended, at the start of this academic year of the School of Management and Innovation of Sciences Po. Je voudrais vous dire la joie qui est la mienne de vous retrouver pour ce qui est déjà, chère Marie-Laure, la troisième rentrée solennelle de l'École du Management et de l'Innovation, c'est dire si le temps passe vite, mais je mesure le chemin accompli au cours des deux années révolues qu'a vécu cette école, le chemin accompli au moment où nous entamons cette troisième année. Permettez-moi de dire d'abord un message particulier de bienvenue à nos étudiantes, à nos étudiants, et en commençant par celles et ceux qui, en réalité, ne découvrent pas Sciences Po aujourd'hui, mais qui retrouvent Sciences Po aujourd'hui, c'est-à-dire la cohorte très nombreuse de nos élèves de M1 qui nous reviennent au terme de leur formation au collège universitaire de Sciences Po après avoir passé toute une longue année loin de nous, et je sais qu'ils en ont souffert, dans leur troisième année à l'étranger. À toutes et à tous, je voudrais dire ma joie de les retrouver aujourd'hui, une joie qui est aussi un peu teintée d'émotion parce que je n'oublie pas qu'il m'est déjà revenu il y a trois ans, chers étudiantes, de vous dire aussi quelques mots de bienvenue au moment où vous entamiez votre formation de premier cycle dans notre maison. J'imagine que vous êtes aujourd'hui sans doute un peu moins ému que vous ne l'étiez à l'époque, parce que vous ne découvrez plus Sciences Po, vous retrouvez des amis, vous retrouvez, pour ceux qui étaient issus du campus de Paris, un bâtiment et des lieux qui vous sont familiers. Mais j'espère que Au cours de ces trois années où tant de choses se sont passées dans vos vies, vous n'avez rien perdu de la capacité d'enthousiasme, de la capacité d'engagement, de la détermination, des rêves qui étaient les vôtres lorsque vous avez entamé votre parcours de formation avec nous. Et bien sûr, mon message de bienvenue s'adresse, j'allais dire, a fortiori, à celles et à ceux qui rejoignent notre institution au début de leur première année de master. Bienvenue, chers étudiantes, chers étudiants, qui avait passé les fourches codines de cette sélection rigoureuse que nous mettons en œuvre pour admettre les étudiantes et les étudiants qui vont suivre des études de master dans notre maison. La sélection, à vrai dire, est de plus en plus rigoureuse, puisque l'attractivité de l'école du management et de l'innovation va croissant. Je citerai quelques chiffres sans me perdre dans les détails pour dire que vous êtes, en cette rentrée 2019, 1211 étudiantes et étudiants à appartenir à l'EMI et à l'un de ses 10 programmes de master. Et vous êtes plus précisément 519 étudiantes et étudiants qui vous retrouvez dans cette cohorte de première année de master. Je parle de 10 programmes parce que cette rentrée universitaire marque une nouveauté, une innovation, mais l'école du management et de l'innovation doit être fidèle à sa réputation. Il s'agit de la naissance d'un nouveau master en marketing qui s'intitule joliment New Luxury and Art de vivre. Ça fait l'objet de toutes sortes de discussions en conseil de l'Institut, cette dénomination. Je souhaite donc tout particulièrement la bienvenue à la cohorte entrante et inaugurale de ce master. Par rapport à l'année dernière, je disais
l'école de management et d'innovation gagne en attractivité, cela se mesure au fait que le nombre des candidats à l'entrée en master à l'EMI a augmenté considérablement. Il a augmenté de 20% pour ce qui concerne notre procédure internationale et de 19%, c'est-à-dire quasiment la même chose pour la procédure nationale. Ça veut donc dire, chers étudiants, que vous avez fait le bon choix en rejoignant l'EMI. C'est le choix que tous vos camarades vous envient. Welcome to all of you who are joining Sciences Po today for the first time at the onset of this master's program. You've come from far and wide for this rentrée universitaire. I believe there are something like 55 different countries represented in your midst, dear students. Some 44% of this incoming class of the masters of the School of Management and Innovation are comprised of international students, which makes it one of the very international schools of our institution. And perhaps most importantly, you all have extremely diverse intellectual profiles and backgrounds, and of course, that very diversity, we believe, is the greatest asset of the School of Management and of Sciences Po at large. Because, as you know, I, for one, firmly believe that a lot of the things you'll be learning in the course of the two or three years to come, you will be learning one from another, and not just from the very good professors who'll be teaching you. So, to all of you, welcome. Make sure that you have all the curiosity necessary to go and meet one another and get acquainted with one another. That will make your years at the School of Management absolutely unforgettable. Welcome to all of you. Welcome to the School of Management. Welcome to Sciences Po, which, as you are aware, I'm sure, is a much wider community than the School of Management and Innovation. Sciences Po comprises today some 14,000 students, close to 4,500 professors, both full-time professors and adjunct professors, and the SMI is one school that mixes the approaches of full-time professors with practitioners, probably most effectively. Sciences Po is also comprised of some 1,000 administrative staff, and of course, once you are graduated from Sciences Po, you'll be joining the ranks of a huge alumni community, n'est-ce pas, cher Nicolas? Some 65,000 alumni in total, among whom a great many have achieved positions of some prominence in the world of business. So welcome, all of you. C'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui. Je n'ai pas vocation à être très long ou trop long. Vous êtes venus pour entendre parler votre doyenne et pour entendre la leçon inaugurale du professeur Boeuf. Je voudrais simplement vous dire pourquoi je me réjouis tout spécialement pour vous, chers étudiantes et étudiants, qui avez fait le choix d'inscrire votre parcours de master à Sciences Po dans cette école, cette jeune école du management et de l'innovation. Ce choix me semble être le bon, pas simplement parce que l'école du management et de l'innovation a la chance d'avoir à sa tête une remarquable doyenne en la personne de Marie-Laure Djelic, qui a été la conceptrice de cette école et qui en est aujourd'hui la talentueuse animatrice. Pas simplement parce que, aux côtés de Marie-Laure se trouve un remarquable directeur exécutif en la personne d'Olivier Guillet, dont nous avons pu constater à nouveau lors de la cérémonie de remise de diplôme qu'il est également un remarquable maître de cérémonie, un showman absolument extraordinaire, donc j'espère qu'il vous donnera un petit aperçu de ses talents à un moment ou à un autre de l'année. Pas seulement parce que autour de Marie-Laure et d'Olivier se trouve une remarquable équipe pédagogique et administrative et un extraordinaire groupe d'enseignantes et d'enseignants, mais parce que cette école, je le crois fondamentalement, n'est semblable à aucune autre école de business ou de management dans notre pays. Et au fond, c'est ce projet qu'a cherché à porter le comité préfigurateur de cette école, voilà maintenant 3 ans, un comité dont les membres en grand nombre continuent d'être actifs au sein du conseil stratégique de l'école. Si certains sont là ce soir, je les salue très amicalement. Ce projet, c'était d'essayer de définir en quoi se préparer au métier de l'entreprise, ou d'ailleurs au métier d'entrepreneur, en quoi cela revêtait une coloration et une signification différentes si on le faisait à Sciences Po plutôt que dans une autre institution de formation au métier du management et du business. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce projet intellectuel et pédagogique parce que Marie-Laure le fera dans quelques instants avec beaucoup plus de talent que je ne le puis. Mais je suis frappé
de constater que, oui, cette école du management et de l'innovation plonge ses racines dans l'histoire longue de Sciences Po, dans les couleurs et les caractéristiques de Sciences Po, dans l'enracinement propre à Sciences Po, dans les sciences humaines et sociales, dans aussi cette volonté constante de Sciences Po de situer les diverses activités professionnelles auxquelles nous préparons nos étudiants dans un contexte plus large, dans le contexte d'un monde qui cherche sa voie, dans un contexte d'un bien commun à définir et à redéfinir collectivement, un contexte dans lequel l'entreprise a un rôle très particulier à jouer. Et je crois que la naissance de l'EMI sous cette forme, bien sûr bâtissant sur tout ce qui avait pu être fait à Sciences Po pendant des décennies en matière de formation au métier de l'entreprise, la naissance de l'EMI s'est produite à un moment singulièrement approprié. Vous avez comme moi suivi les débats des mois derniers. Vous n'avez pas eu, comme moi, la chance ou la malchance d'être mobilisé par de grandes chaleurs vendredi dernier à l'Élysée pour une sorte de réunion pré-G7 autour du président de la République qui rassemblait quelques dizaines de chefs d'entreprise et également de responsables d'ONG pour préparer avec le président l'agenda du G7. J'ai été absolument frappé en écoutant les interventions d'Emmanuel Faber, de François-Henri Pinault, de Rodolphe Saadé, du reste partenaire de notre école, de Thomas Buberl et de tant d'autres, très frappé du fait que leur vision de l'entreprise, les engagements que, au sein des groupes d'engagement que les uns et les autres pilotaient, ils ont choisi de souscrire en vue du G7 et autour des objectifs du G7, que tout cela résonne d'une manière très particulière avec, en écho avec le projet de notre école du management et de l'innovation. Je dois le dire et le redire pour m'en féliciter et m'en réjouir. Cette école du management est arrivée en son temps. Heureusement qu'on n'avait pas tardé, du reste, Marie-Laure, à s'y mettre. J'en ai déjà trop dit, chers amis, et j'ai été trop long. J'allais oublier de signaler que, après les interventions sérieuses qui vous attendent avec la doyenne, avec le professeur Boeuf, ce qui caractérise ces rentrées de l'école du management et qui peut justifier ou explique le fait que vous soyez si nombreuses et si nombreux à vous être déplacés, c'est qu'il y a un cocktail qui vous attend à la sortie. C'est la raison pour laquelle j'ai scrupule à être plus bavard que je ne l'ai été. Je voudrais simplement, pour conclure, chères étudiantes et chers étudiants, vous rappeler que vous aurez, dans les 2-3 années qui viennent, matière à vous occuper, beaucoup au sein de l'EMI, parce que, oui, nous allons vous donner du travail, et même pas mal de travail, peut-être même un petit peu plus que vous ne l'aviez imaginé. Mais je souhaiterais qu'au cours de ces 2 ou 3 années, vous n'oubliez pas que vous êtes certes étudiant de l'EMI, mais aussi, j'allais dire peut-être surtout, parce que c'est mon rôle, étudiant de Sciences Po. Et donc j'espère, chers étudiantes, chers étudiants, que vous aurez pleinement à cœur de vous déployer dans toutes les activités qu'offre cette maison, de prendre part à tous les événements qu'elle vous permettra d'être partie prenante, que vous vous sentirez, en d'autres termes, pleinement citoyenne et citoyenne de cette institution. Il me reste, chères étudiantes, chers étudiants, chères enseignantes et enseignants, chères équipes de l'école, chers partenaires et entreprises qui êtes représentées à nos côtés aujourd'hui, à vous souhaiter une très belle et heureuse séance inaugurale, séance de rentrée 2019, une très belle année universitaire. Chers étudiantes, chers étudiants, faites honneur à l'EMI ainsi qu'à Sciences Po. Très bonne année. Merci, Monsieur le Président. On peut le dire en français aussi. Bonsoir à toutes et à tous. Good afternoon to all of you. It's really a great pleasure for me to welcome the third incoming class of the School of Management and Innovation. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. We are thrilled to finally get to meet you, to finally get to know you. Comme Monsieur le Président l'a déjà indiqué, vous êtes un groupe d'une très grande diversité, diversité de nationalité, diversité géographique, mais aussi diversité de vos parcours, de vos expériences antérieures. And we are very proud of this. This is a characteristic diversity that Sciences Po, but also the School of Management and Innovation, want to sustain and nurture, because we are convinced that from this diversity, you, but also us, will get a richness of exchanges and experiences that we will all benefit strongly from.
I would also like to welcome back our second year students, whether you're returning after a gap year or directly entering the second year, we are delighted to see you back. Je voudrais aussi profiter de cette opportunité pour remercier très chaleureusement tous nos enseignants, mais aussi plus généralement tous les amis et les partenaires de l'École du Management et de l'Innovation qui sont ici aujourd'hui avec nous, pour marquer ce moment symbolique important qu'est la rentrée scolaire. Et comme vous l'aurez peut-être remarqué, ces amis sont nombreux et nous avons donc dû en conséquence ouvrir un amphi supplémentaire, donc un bonjour appuyé à tous ceux que je ne peux pas voir qui sont là-haut dans l'amphi Chapsal. Un grand merci aussi bien sûr à ma Dream Team, toute l'équipe administrative de l'école, avec qui travailler est un véritable plaisir, renouvelé chaque jour, mais aussi à tous nos collègues de Sciences Po, qui se coordonnent intensément depuis le printemps dernier pour faire en sorte que cette rentrée se passe le mieux possible pour nous tous. So because we are at Sciences Po, and Mr. President has started to allude to that, we cannot, and in fact we should not be a school of management exactly like the others. We are naturally going to make sure that you acquire the knowledge and the professional skills that you need to jumpstart your career and to find the job that you're dreaming of. But we believe that we need to do more than that. We believe that we also need to provide you with broader tools, tools that will help you navigate and construct your own maps of the world. The world we live in is a complex world. It's changing fast and it's changing in directions that are difficult to predict. It's rife with contradictory trends that could lead to major threats as well as major opportunities. A key and increasingly urgent question ahead is whether we are able collectively to move away from the edge of chaos and to materialize opportunities instead. There are two things that are sure in that context. The first is that this can only happen if we all, individually and collectively, take actions that go beyond our personal interest, or more exactly, serve our personal interest by tackling issues of common good. This claim, which has been at the heart of the philosophy of our school ever since it started 3 years ago, was reflected, as Mr. President has told you, in the last G7, but also some of you may have seen a few days ago in the press, a public statement that was issued by the American Business Roundtable, which is a collective of chief executives from nearly 200 major US corporations. And that collective, the statement they issued, proposed a redefinition of the purpose of the corporation, acknowledging that the simple maximization of value for the shareholder cannot be the main and the only focus of large firms anymore. And indeed, without our urgent and coordinated action on a number of burning issues of common good, like climate change, biodiversity, increasing inequalities and their political and geopolitical consequences, the future of technology, whether utopia or dystopia, and a few others, the sense that we might be improving our own personal, individual and selfish lot is essentially myopic and very short-term. We need to move from the one-dimensional world of a simple maximization of economic growth to a world where the guiding strategy points towards inclusive and sustainable prosperity, which is the only condition for the long-term resilience of humanity and of our societies. This is, by the way, how we define our guiding red thread at the School of Management and Innovation, a school for inclusive and sustainable prosperity. The second thing that is sure is that your generation and the following ones are those that are in the eye of the storm. It may seem unfair, but it can also be seen as strongly exhilarating to be the next generation to have, as we say in French, un rendez-vous avec l'histoire. Hence, we owe it to you, but also to ourselves and to society, not to train you in the management of yesterday, but to prepare you for that kind of world. And what does that mean? First, it means that we need to impart you with the tools to think and to embrace complexity. More than ever, decision makers, managers, and entrepreneurs have to understand that what they do is impacted by and impacts in turn strongly the natural, social, and political environment. Second, this new complex world calls for innovative, critical, and creative thinking. Old recipes simply won't work. You will have to invent new ones.
We are at a turning point, an urgent one, and it is time to remember those burning words of Martin Luther King just before he was killed. He said, "We are now faced with the fact that tomorrow is today. We are confronted with the fierce urgency of now. We know essentially what the problems are, but we have not yet invented the solutions. We need to accelerate our work on that, and hence we need all your bright and innovative creative ideas and your capacity to think out of the box unconventionally. Third, decision makers, because they have power, also have responsibilities. And the more power, the more responsibility there should be, but also humility. Leaders should, above everything else, be stewards of the common good. It is high time that we remember that. And it holds for political leaders, but also for social and economic leaders. To quote here the great scientist Marie Curie, each one of us must work for his and her own improvement, but should at the same time also share a general responsibility for humanity. The three dimensions, complexity, creativity, and engagement for the common good, are what we call our three C's at the School of Management and Innovation, and what we see are being our special identity as a school, an identity that we hope you will share and that is fully aligned with the DNA of Sciences Po and with the pedagogical project of Sciences Po as a whole. Within the bounds of this identity, we give ourselves each year a thematic thread for the year, one that frames our various activities and initiatives as a school. In 2017, first year of the school, our thematic thread was Rethinking Prosperity. Last year, we explored the theme of intelligence versus intelligences. This year, we have decided to focus on the broad and important question of resilience. The word resilience comes from the Latin resalire, literally to jump again, to rebound, rebondir en français. The notion is interesting because it can be applied at all levels. At the individual and psychological level, obviously, how do we individually reinvent ourselves following a shock, a trauma, or the radical transformation of the conditions in which we live? At the organizational and institutional level, how do we adapt our systems so that they last over time, including in periods of great transformation like the one we're living today? How do we move them from a short to a long-term guiding logic? But also, and maybe more importantly, at the level of the biosphere. In the wake of profound climate, resource, and biodiversity challenges, how do we think about the complex balancing act that will allow our species to survive over time? This implying, obviously, as we will hear very soon from Professor Boeuf, a respectful relationship with our natural environment. So we are very lucky today to be able to start the year with an in-depth exploration of this last set of questions by somebody who has been exploring them all his life. Professor Gilles Boeuf will be talking to us today around humanity and biodiversity. Let me introduce Professor Boeuf to you. Professor Gilles Boeuf is professor at Sorbonne University, Université Pierre et Marie Curie, and is associated with the Oceanographic Observatory, a laboratory that is located in Banyuls-sur-Mer on the Mediterranean Sea. Before that, he spent 20 years with IFREMER, Institut Français pour l'Exploitation de la Mer, which, by the way, might want to rethink its name. Exploitation is not a really great name in that context. Professor Boeuf is a specialist in environmental physiology and biodiversity. From 2009 to 2015, he was president of the French Natural History Museum. In 2013-14, he was professeur invité at the Collège de France, which in France is really one of the highest academic honors. And he was holding the chair on sustainable development, energy, environment, and society. His lessons during this year focused on the interaction between biodiversity and humanity. And if you want actually to go further, you can find all of them on the website of the Collège de France. In 2013, Professor Boeuf received the Grand Medal Albert de Monaco for his career dedicated to the seas and the oceans. When Ségolène Royal was Minister of Environment, Energy and Seas, Professor Boeuf was her scientific advisor. Today, Professor Boeuf is president of the French National Agency for Biodiversity. I'm extremely happy and honored, Professor Boeuf, that you accepted to come today to give the inaugural lesson to the school. I'm looking very much forward to all that you are going to tell us. The floor is going to be yours in a few minutes, just for all of you to know. The lesson will be in French with subtitles in English,
And at the end of the lesson, you will be able to ask questions both in English and in French. We'll have mics that go down. Thank you very much, and the floor is yours. Merci beaucoup. I would be able to speak in English, but I think we choose to blend English and French. The slides are in English. I can speak in also in Spanish if you want. Yes, speaking about such a project is quite difficult. Mais continuons en français. En fait, la question c'est aujourd'hui quand on regarde la société dans nos pays développés. Ben finalement, quand on gratte un petit peu, quand on regarde, nous sommes intranquilles. J'aime beaucoup ce terme qui vient du philosophe brésilien. C'est quoi l'intranquillité? Pourquoi, alors que tout paraît aller bien, on a parlé du G7. J'étais à Biarritz la veille du G7 pour préparer pour le président Macron le discours sur l'océan, avec les gens de Surfrider, une ONG qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là. Et donc, je suis particulièrement heureux de m'exprimer devant vous ici. Je remercie M. le directeur et Margot, on s'est croisés il y a quelques temps. Et c'est vrai que pour moi, c'est un public particulier. J'étais ce matin à Brest, à un colloque de scientifiques, physiciens et biologistes dédié à la formation des journalistes. On a eu 2 jours. Comment former des journalistes sur la question de l'océan? Quelle question? Pourquoi? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est moins important? Et je me suis dépêché de venir vous retrouver cet après-midi parce que pour moi, c'est un public très particulier que vous représentez. Je suis déjà intervenu ici plusieurs fois, avec Bruno Latour en particulier. Je me rappelle un débat ici avec M. Fabius à l'époque où il présidait effectivement la question du climat. On va parler de 2 grandes questions environnementales qui sont essentielles aujourd'hui. D'un côté, ce que j'appelle l'effondrement du vivant. Vous verrez, je n'utilise pas le mot extinction. On n'en a encore pas là. Et la question du changement climatique. Je ne parle pas non plus de réchauffement climatique. Je parle de changement climatique. Pas de dérèglement, parce que si on parle de dérèglement, on ferait croire que le climat était réglé. Le climat n'a jamais été réglé par personne. Le climat, il fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, ce climat qui faisait ce qu'il voulait est influencé par les activités anthropiques. Et ça, on va le regarder un peu en détail. Donc je pars de 2 écosystèmes que je connais bien. La grande forêt tropicale humide, je reste sur un petit morceau de France, en Guyane, où nous avons ici quelque chose comme à peu près 50 000 espèces vivantes par kilomètre carré. Je prends un carré de 1 km, 50 000 espèces vivantes dans le sol, dans les arbres. Qu'est-ce qu'on connaît en France comme nombre d'espèces aujourd'hui déposées dans les musées? J'ai présidé ce grand musée tout à l'heure, Marie-Laure le disait. Un peu moins de 100 000 espèces en France métropolitaine. On est à 98 823 espèces déposées dans les musées et connues. Quand on parle d'espèces, et c'est important pour vous, tout est dedans. Les bactéries, d'abord les bactéries. Nous sommes un monde de bactéries, un corps humain. Chacun ici dans la salle, c'est au moins autant de bactéries que de cellules humaines. Nous sommes une ode, chaque humain, à la biodiversité. Je vais vous le démontrer. C'est important que vous l'admettiez, parce que le jour où vous accepterez de faire partie du système, ça changera tout. Chaque fois que vous allez l'agresser, vous vous auto-agressez vous-même. C'est un peu stupide pour une espèce qui s'est elle-même appelée l'homme qui sait, Homo sapiens. Donc les bactéries, les protistes, ces grosses cellules à noyau que sont les micro-algues marines, les levures, sans levure, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de vin. Pour des Français, c'est une catastrophe. Elles sont extrêmement importantes, les levures, les champignons, les plantes et les animaux. Et dans les animaux, bien sûr, il y a l'espèce qui s'est elle-même appelée Homo sapiens. La forêt tropicale humide. L'équivalent marin, c'est ça. On va rester en France, puisqu'ils ont voté français il n'y a pas très longtemps. La Nouvelle-Calédonie, le récif du Grand Sud, où là, vous avez 5 à 6 000 espèces par kilomètre carré. 600 espèces de poissons différents. 400 espèces de corail différents. Alors vous me direz déjà, première remarque, il y a beaucoup moins d'espèces dans l'océan que sur les continents. Absolument. L'océan est beaucoup moins riche en nombre d'espèces. Et on peut comprendre pourquoi. Donc, l'océan, le corail, c'est 0,1% de la surface de tout l'océan. Et c'est plus du tiers de toutes les espèces connues dans l'océan. Donc, vous touchez du doigt l'importance du corail. Dès qu'on le détruit, on perd beaucoup. Dès qu'on détruit la forêt tropicale humide, qu'est-ce qui se passe au Brésil en ce moment?
on perd beaucoup. Et qu'est-ce que fait l'humanité? Ben voilà, Shanghai, la moitié des Français, tout simplement. Alors quand on me dit, oui, mais l'humain n'est pas aussi important que ça sur la nature, c'est pas vrai, écoutez, bon, c'est très simple, hein. Deux chiffres. Il y a 12 000 ans, on va beaucoup s'intéresser au néolithique, l'humain s'arrête de bouger et les femmes commencent à faire beaucoup de bébés. On voit la démographie d'Homo sapiens qui part. Nous étions à l'époque, avec les animaux déjà domestiqués, 0,1% de toute la masse de tous les mammifères de la Terre connus. 5 000 espèces, les éléphants, les musaraignes, les baleines. Hein. 5 000 espèces. Donc je les pèse tous. Et je prends à l'époque les humains. 5 millions d'humains, il y a 12 000 ans. Avec les animaux domestiques, ils connaissaient le chien, le chat, la chèvre, le mouton. Mais on démarrait avec la vache. Il n'y avait pas encore de chevaux. C'est beaucoup plus tard. 0,1%. Aujourd'hui, nous sommes 90% de la masse de tous ces êtres vivants. Mon graphe le plus difficile que j'ai à vous montrer, qui me fait le plus de mal, c'est depuis une quarantaine d'années, l'effondrement du vivant sauvage et l'explosion du vivant domestique. Aujourd'hui, la plus grande biomasse, c'est le poulet. Où que vous soyez sur la planète, vous mangez du poulet. La biomasse de vache sur la Terre est supérieure à la biomasse d'humain. Et ceci, bien sûr, a profondément changé les systèmes depuis cette époque que j'évoquais, le néolithique, il y a 12 000 ans, on va y revenir. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous rend intranquilles? Deux graphes. En haut, la température. Soit la température de la surface de l'océan, soit la température de l'air. Ici, alors à l'époque, il y a 12 000 ans, il y avait 19 000 ans, il n'y avait pas d'amphithéâtre. Sciences Po n'existait pas encore. On y pensait déjà, mais ça n'existe pas. Il ne reste plus que Homo sapiens. Néandertal est déjà parti vers 27 000 ans. Température moyenne de la Terre, plus, très différente d'aujourd'hui, moins 4 degrés par rapport à aujourd'hui. Nous sommes 4 degrés plus chauds aujourd'hui. Niveau de la mer, 125 mètres plus basse. Alors quand on parle aujourd'hui de 3 cm ou de 1 mètre, 125 mètres plus basse. On allait à pied en Grande-Bretagne, on est passé de l'Inde à l'Australie. Et ils sont passés à l'époque de l'Asie à l'Amérique, par la mer de Bering. Donc ces choses sont très importantes sur cette humanité. Ils passent vers 18 000 ans, ils découvrent l'Amérique du Nord. Ils sont coincés par les grands glaciers qui sont à la frontière actuelle du Canada et des États-Unis, qui fondent. Ça fond derrière, ils ne peuvent pas revenir en arrière et revenir en Asie. Et en 3 000 ans, ils sont au Chili. En 3 000 ans, à pied, ils ont fait tout le chemin de l'Alaska jusqu'à la Patagonie. Et l'humain a toujours été extrêmement lié dans ses migrations à ce climat qui changeait. On quitte l'Afrique quand le Sahara n'est plus un désert. La péninsule arabique reverdit tous les 20 000 ans. Et on voit les vagues successives qui sortent d'Afrique. 120 000 ans pour les sapiens, 90 000 ans, 70 000 ans, 50 000 ans, 30 000 ans. On va vers l'Europe et on va vers l'Asie. Donc aujourd'hui, le climat effectivement change. Alors que le climat change, ce n'est pas un problème. Le climat a toujours changé, et heureusement. C'est ça qui explique le nombre d'espèces vivantes qu'on a sur la Terre aujourd'hui. Ces bactéries, je vous ai dit, ces plantes, ces animaux, ces champignons. Mais aujourd'hui, ils changent trop vite. Je vais vous parler de centaines de millions d'années, voire de milliards d'années. Et là, je vous parle de 40 ans. Sur un siècle, 1860, ça fait 130 ans, aujourd'hui un peu plus, 140, 150 ans, on a pris 1,2 degré. J'ai regardé ici à Paris, dans l'amphi de Sciences Po, là, on a pris 1,2 degré sur 120 ans. Vous me direz, mais c'est rien du tout, 1,2 degré. Sauf que là, l'accélération actuelle est foudroyante. L'accord de Paris, on a dit 1,5 à 2 degrés, on a déjà pris 1,2. Est-ce qu'on va pouvoir tenir ceci? C'est une vraie question qu'on va évoquer tout à l'heure. Et en bas, tout simplement, puisque bien sûr il fait plus chaud, la glace fond et la mer remonte. Alors vous me direz, depuis les 5-6 000 ans écoulés, ça ne montait pas très vite. 1 mm par an, c'était négligeable. En 18 ans, là aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a 3,4 mm. Comment expliquer que la mer remonte trois fois plus vite depuis 18 ans que pendant les 5 000 ans précédemment? Et les prévisions du GIEC sont claires, on en parlait, on avait là-dessus un exposé hier de physiciens de Grenoble, bah, on va atteindre facilement le mètre, peut-être les 2 mètres à la fin du siècle. À quelle échéance? À quelle vélocité? 2 mètres? Faites une carte du monde déjà, vous verrez.
Cherchez-moi les grandes villes du monde qui ne sont pas au bord de la mer. Paris, c'est le bel exemple. Chicago, Moscou, toutes les autres, en Amérique latine, en Afrique, elles sont au bord de l'océan. New York est déjà quasi sous l'eau. Bangkok, Jakarta, prenez toutes les grandes villes du monde, la question va être absolument, si on ne pompait pas l'eau dans le métro de New York, il serait déjà sous l'eau. Donc vous voyez que cette question est beaucoup plus importante qu'une question d'écologiste farfelu. Donc ces deux choses nous préoccupent, je vais prendre deux exemples, ma petite préférée. Alors Darwin fait un tour du monde avec le Beagle, hein, il y a un peu plus de 100 ans, et il va en Patagonie. Et là, en fouillant dans des mousses au pied des arbres dans la forêt de Patagonie, il trouve une petite grenouille. Alors, à l'époque, on faisait ça. On la met dans un bocal, dans l'alcool, et c'est envoyé à Londres, au British Museum. Il n'y avait pas encore de National History. Et puis, on l'oublie dans son bocal pendant 80 ans. Puis, un type, un jour, qui trie les collections, il dit, c'est marrant, une grenouille. C'est Darwin qui l'a trouvée. Elle vient d'où? On ne la connaît pas. Donc, on va lui donner un nom, et on l'appelle Rhinoderma darwini, en l'honneur du grand Darwin. Et je suis allé la chercher. Il y a quelques mois, j'étais dans les forêts du Chili, en Patagonie. Il faisait un temps anormalement chaud. J'ai retrouvé quelques-unes. Elle s'en va, ma grenouille de Darwin. Tout le monde s'en fout. Je ne la connaissais même pas, votre grenouille de Darwin. Je ne peux pas m'inquiéter pour elle, on va me dire. Hein. Oui, pourquoi elle part? Parce qu'on coupe toute la forêt primaire de Patagonie. Les fabuleux araucaria, des arbres qui vivent entre 1000 et 3000 ans. Les lencas, les grands autophagus de Patagonie s'en vont remplacés par des eucalyptus et des pins. Et donc cette mondialisation de quelques plantes retenues par les activités économiques fait que ma grenouille, elle n'aime pas ça. Elle va partir dans l'indifférence générale. Deuxième remarque, j'ai fait la photo il y a 10 jours au Groenland. Ça, c'est le grand glacier du Groenland, Disco Eki. Il fournit tous les icebergs de l'hémisphère nord. C'est un de ces icebergs, on a pu remonter la piste, qui a coulé le Titanic en 1912. On a des cartes maintenant des grands icebergs partis du glacier Eki, l'endroit où c'est plus fort, c'est en Antarctique, mais en Arctique, c'est le plus fort glacier. Il est gigantesque et il perd de la glace, et très, très, très vite. On perd des kilomètres par année. Et ça ne fait que s'accélérer. Donc, grande question posée. Est-ce que c'est grave, docteur? Comment on fait? Donc, deux questions. L'effondrement du vivant et le climat qui change. Je suis revenu en arrière. Bon, ben, c'est dans l'autre sens, alors. Bon, ça marche dans l'autre sens, votre truc. Là. Bon, je vais faire avec. Hein. Sciences Po est vraiment exceptionnel, effectivement. Différent du reste. Ah, c'est bizarre, hein? Est-ce qu'il va remarcher, là, maintenant? Non, j'ai un problème avec ça, là. Sinon, je vais le passer à la main sur l'écran. Là. Sinon, je vais le passer à la main. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Voir si ça marche. Normalement, ça devrait être. Qu'est-ce que c'est ça? Une image du système solaire qui va émettre les éléments lourds de la chimie. Et ça, c'est quoi? Une météorite. Elle tombe dans un champ en mai 1864, dans le sud de la France. Toulouse, cette nuit-là, est illuminée par une pluie d'étoiles. Et là, on voit la différence entre l'humain et l'animal. Un brave paysan du Gers ramasse ce caillou. Il l'appelle une couleur tombée du ciel. Elle fait 11 kilos. Et on l'oublie dans une caisse à oignons pendant 130 ans. Mais ce qui est génial, c'est qu'aucun animal n'aurait jamais ramassé cette météorite. C'est la différence entre l'humain et l'animal. On l'a ramassé, on l'a oublié. C'est une belle histoire. C'est moche comme tout, ce truc. Hein. Et puis des randonneurs disent aux paysans en 2005, mais tu sais, ton caillou, c'est pas un caillou ordinaire, là. C'est une météorite. Il dit, oui, l'arrière-grand-père l'avait ramassé, c'était brûlé en la ramassant. Tu me la donnes? Et elle finit à Paris. Rue Buffon, au Jardin des Plantes, devant les plus puissants outils que l'on ait en géochimie des nanosondes. Et là, on date ce caillou. 4-6 milliards d'années. Oh, quand vous le caressez, ça change la relation au caillou. Hein. Et c'est ça le rôle de la science aujourd'hui. À partir d'un objet, apparemment sans aucun intérêt, vraiment moche, de raconter une histoire.
Et l'histoire de ce caillou, c'est toute l'histoire du système solaire. Elle a tourné cette météorite pendant 4 milliards et demi d'années. Elle tombe dans un champ, un humain la ramasse, l'oublie. Elle arrive devant des moyens scientifiques et raconte une histoire. C'est ça le rôle du système. Elle raconte l'histoire de l'océan, elle raconte tout. Un estuaire ici, je suis à Madagascar. Ici, vous avez ce qu'on appelle une pression osmotique, une salinité qui est très basse, 10. L'océan dans le monde entier, c'est 1050. Voilà pourquoi il y a, s'il vous plaît, un seul océan. Arrêtons de parler des océans. Il y a des coureurs de mer, mais il y a un seul océan. Il est le même partout, à 400 mètres de fond. J'ai exactement la même composition partout. Un océan, 1050 partout. Et à nous, notre sang, à tous dans la salle ici, 302. Tiens, ça, c'est curieux, ça. Petit, grand, garçon, fille, que ce soit jaune à point bleu ou rouge à point vert, 302 milliosmoles, ça ne bouge pas du tout. Et regardez ce que je vous ai mis ici. C'est la composition de mon estuaire ici. C'est votre sang. Vous verrez votre prochaine prise de sang, vous scruterez ça en vous rappelant de ce que je vous ai dit. Vous avez 142 millimoles de sodium dans du sang humain, 105 de chlorure. C'est quoi ça? C'est l'eau de mer. Pourquoi avons-nous au sein de chacun d'entre nous une eau de mer divisée par 3? Il y a des femmes qui ont eu des bébés, l'amniose du bébé, c'est un océan divisé par 3. C'est extrêmement important. Moi, j'aime beaucoup le potassium. 3,5 millimoles. À 6, vous êtes dans un coma profond. Et l'océan, c'est 11 partout. Le corps humain rappelle la sortie de l'océan il y a 450 millions d'années. Nous faisons partie du système. Et je vais continuer. Le plus ancien fossile que l'on ait dans les collections à Paris, des cyanobactéries, qui viennent d'ailleurs du Groenland, datés à 3,45 milliards d'années. Et tout à l'heure, quand je suis arrivé, quand Marie-Laure m'a accueilli, là, sur le trottoir, tout à l'heure, où vous étiez, il y a une flaque d'eau. Vous aurez un regard attendri en sortant tout à l'heure. Dans cette flaque d'eau, vous avez des cyanobactéries. Regardez à quoi elles ressemblent. Elles sont incroyablement ressemblantes à ces fossiles qui ont 3 500 millions d'années. Elles sont toujours là. Tout à l'heure, on parlait d'entreprise et de résilience. L'entreprise qui dure 3 milliards et demi d'années, c'est quand même pas mal. Hein. La vie est la plus belle entreprise de la planète. Et ces êtres vivants qui ont tenu aussi longtemps ont un pouvoir de résilience complètement exceptionnel. Les lichens qui sortent de l'océan aussi. Alors, l'histoire n'a pas été un long fleuve tranquille. Alors, quand on me dit, oui, l'humain, il fait du mal, c'est vrai, mais il y a eu des crises. Bien sûr qu'il y a eu des crises. La vie a failli plusieurs fois disparaître. Les grandes crises, on en connaît 60 depuis 800 millions d'années, dont 5 majeures qu'on a répertoriées, les grandes crises. D'où la question actuelle, est-ce que l'humain n'est pas en train de créer les conditions d'une 6e grande crise d'extinction? Moi, je vous dis, j'aime pas trop le terme extinction. Ça, c'était des extinctions. Mais ça prend un certain temps. Ça prend pas 30 ou 40 ans, ça prend des centaines de milliers ou des millions d'années. Je prends le cas des oursins que j'aime beaucoup. Les sea urchins, vous les connaissez bien. Ils ne sont que marins. Jamais un oursin, au cours de l'évolution, n'a pu sortir de l'océan. Il y avait pas mal d'espèces durant l'ère primaire. 700 aujourd'hui, dans tout l'océan de la planète. Des chauds, des froids, des profonds, des littoraux. 700 espèces d'oursins. 2 sont passées durant la grande crise, ici, de l'ère primaire à l'ère secondaire. Ça, c'est génial. Les trilobites disparaissent pour toujours. Les coraux tabulés disparaissent pour toujours. Les oursins, c'est le rat de la culotte des oursins. Hein. On passe 2. Ce qui veut dire que les 700 d'aujourd'hui viennent de ces 2 qui ont survécu à la grande crise de la liaison entre l'ère primaire et l'ère secondaire, le Permien-Trias. Et regardez quand on parle de résilience. Il a fallu... On arrive à 3 espèces au bout de 6 millions d'années, 10 espèces au bout de 23, 80 espèces à partir de ces 2-là, en 51 millions d'années. Ce n'est pas une histoire qui se passe dans la semaine. Et c'est là que le monde politique a du mal à comprendre ce monde vivant qui nous entoure, le monde géophysique. Ce poète chinois qui disait « Il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche, l'éternité pour la refaire. » On ne sait pas. Et c'est là qu'aujourd'hui, cette vision de la nature est fondamentale. Et on verra un petit peu comment l'homme se comporte aujourd'hui. Donc c'est « good genes on good luck ». Voilà, c'est tout. Et c'est ce qu'on appelle la contingence. Revenez sur votre vie. Rappelez-vous des événements que vous avez vécus, qui vous sont arrivés et qui ont bouleversé votre vie. Un accident, une rencontre, quelque chose. Quelqu'un que vous avez écouté, vous avez aimé, pas aimé.
Et bien cet événement qui a bouleversé votre vie aurait très bien pu ne pas se produire. C'est ça la contingence dans l'évolution. Et c'est tous les jours qu'il faut penser à cela. C'est extrêmement important. Si on est là, tous ici, le même lieu, l'amphi de Sciences Po, en même temps, à la même heure, c'est parce qu'un dinosaure à point bleu a croisé une copine à point rouge il y a 215 millions d'années. Si ce n'était pas croisé, nous ne serions pas là. Tout marche. Et voilà pourquoi on ne peut pas refaire l'histoire et refaire le passé en permanence. Alors, pourquoi est-on intranquille ? Première question que se posaient les êtres vivants un peu élaborés chaque matin, pensez à Lucie, il y a 3,2 millions d'années en Éthiopie. Chaque matin, elle se disait, est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Juste après, est-ce que je ne vais pas être mangé aujourd'hui ? Il y avait quand même des félins à côté, il y avait des lions, il y avait des hyènes, il y avait des panthères. Et puis après, ces questions environnementales nous rendent intranquilles parce que c'est des questions d'énergie, d'eau, de biodiversité, de climat, de pollution. Et puis c'est aussi, bien sûr, comment est-on passé énergétiquement du feu ? La domestication du feu, pour moi, est le premier élément essentiel qui va séparer l'humain de l'animal. On domestique le feu. On va l'emmener partout avec nous. On va s'en servir. Ça a tout changé. Et puis, bien sûr, les nouvelles technologies en matière de nanotech, de robotique, de biotechnologie, de digital. Dans un contexte général inquiétant, qui est la démographie d'un côté et la part de l'exploitation des ressources de l'autre. Et en fait, je vais revenir sur ce qui existe, des bactéries, des protistes, ce sont des micro-algues du phytoplancton de l'océan. C'est mon chouchou aussi, c'est un petit bestiole qui vit dans la mousse, partout où il est. Il fait un demi-millimètre, il est petit, il est incroyablement résistant à des changements extérieurs. L'humain sera plus là depuis longtemps, lui sera peut-être toujours là, et les bactéries seront toujours là aussi. L'humain est incapable de détruire la nature, hein. On ne peut pas faire ça. Alors, justement, il y a juste un an, le 28 août de l'an dernier, j'étais au MEDEF. Il démarrait leur école d'été, comme cette année. Donc j'étais à HEC, il m'avait donné comme titre « Sale temps pour la planète ». Alors j'ai commencé ma conférence en disant « Vous savez, le sale temps, il n'est pas pour la planète, elle s'en fout la planète ». Le sale temps est pour les humains qui sont dessus. Et en constamment, la question, elle est là. On n'est pas là pour sauver la planète. On est là pour essayer nous-mêmes de réfléchir à nos relations avec cette planète. Et bien, je vous ai mis des fougères qui poussent après une grande éruption volcanique. Et je reviens à Paul Ehrlich, qui est un vieux monsieur, qui est reçu par le Collège le Royal Britannique. Il fait sa leçon inaugurale. Et la leçon, c'est « Can a collapse of global civilization be avoided ?» Est-ce qu'on peut encore interdire un effondrement de nos civilisations? Voilà, la question est lancée. Comment est-ce qu'on peut y réfléchir ensemble ce soir? Et les gilets jaunes débarquent là-dessus. Ah, c'est très froggy, très frenchy. Et je reviens à Edgar Morin, je vais en parler beaucoup, c'est vraiment mon père spirituel en philosophie. Edgar Morin qui disait au président Macron, vous savez, monsieur le président, quand on gouverne un pays comme ça, en laissant une grande partie des gens de côté, dans votre métier, c'est extrêmement important. Si on fait ça, le premier gourou qui passe va gagner. Et on a écouté ces gens-ci, M. Trump et M. Bolsonaro, dans leur splendeur, comme on a écouté M. Salvini. Et il disait aussi, Edgar Morin, une chose, il y a beaucoup de femmes ici dans la salle, il disait, chaque fois que l'humanité est revenue à la barbarie, qui trinque en premier? Les femmes, les enfants et les animaux. C'est la trilogie, mais c'est très noble. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, finalement, il y a sept questions essentielles dans les questions d'écologie aujourd'hui. La première, c'est le productivisme agricole. On empoisonne les gens avec des produits. Vous savez, je terminerai tout à l'heure mon exposé sur la durée de vie. On travaille beaucoup là-dessus avec mes copains médecins ici à l'Hôtel Dieu. Il y a 10 ans, la longueur de vie s'arrête d'augmenter. Il y a 10 ans, on arrête de grandir. De 1860, on a des données, jusqu'à 2008, on a grandi sans arrêt. Vous savez quels sont les humains les plus grands en moyenne? Ce sont les Hollandais, hein, ce sont garçons et filles, c'est les plus hauts en moyenne. 2008, ils s'arrêtent. Alors, du coup, comme ils étaient les plus grands, ils ont regardé. Ils mesurent tous les bébés qui naissent et tous les Hollandais sont mesurés en permanence. Ça ne grandit plus depuis 2008. On ne dure pas plus longtemps en durée de vie depuis 2008. Et je vous montrerai tout à l'heure les records sportifs s'arrêter. Et ça lance le débat sur des limites du système. Je vais y revenir. L'eau.
l'eau, c'est les trois quarts d'un bébé à la naissance. C'est pas fait pour laver sa bagnole. Et je dis souvent ça aux gens, mais arrêtez, vous vous rendez compte de ce qu'est l'eau, les trois quarts d'un bébé? Aucune cellule vivante n'est pas faite d'eau liquide. L'eau devrait être la principale préoccupation. Les pêcheries en danger, pêcher c'est bien, surpêcher c'est stupide, on en dira deux mots. La forêt s'en va. Vous avez vu ma forêt tropicale tout à l'heure? Je vous ai dit, c'est là qu'il y a le plus d'espèces vivantes. Les trois grands gisements mondiaux que sont l'Amazonie en Amérique du Sud, les grandes îles d'Asie que sont Bornéo et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et la forêt du Congo en Afrique, ces trois lieux-là ont plus d'espèces que tout le reste. Plus de 50% d'espèces vivantes viennent de ces forêts tropicales. Et elles disparaissent à la vitesse de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. À la fin de ce siècle, à ce rythme-là, il n'y en aura plus. Curieux pour une espèce qui s'est appelée sapiens, hein, de ne pas tous les jours penser, bien sûr, à cela. C'est comme mon corail tout à l'heure. Hein. La biodiversité s'en va, on va en parler. Et puis, on pollue tout, on contamine tout. Partout, partout. L'enfer de plastique qui est devenu l'océan, on en dira deux mots tout à l'heure. Les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, les surproductions organiques qui eutrophisent les milieux, les sargasses en ce moment dans la mer des Caraïbes, c'est une horreur totale. Alors, tout cela, c'est réglable. Moi, j'y crois beaucoup, grâce à votre aide. Avec une vraie politique volontariste, on peut régler ça. Le dernier, c'est trop tard, c'est le climat. On ne peut plus empêcher le climat de changer. Il fallait le faire avant. Ce n'est pas une raison pour rien faire, on est bien d'accord. Hein. Il faut qu'on limite l'augmentation de la température et qu'on commence à s'adapter. Et demain, pour moi, c'est clair qu'il va falloir commencer à retirer le CO2 qu'on a mis depuis 250 ans. Par une technologie adéquate, bien sûr, sans charbon et sans pétrole, on est bien d'accord. Hein. Si on veut enlever le CO2, il faut le faire différemment. Qu'est-ce qui a changé dans tout ça? Pourquoi ça a changé à un moment? Domestication du feu, on en a dit deux mots tout à l'heure. Le feu, c'est fantastique parce que quand vous avez le feu, vous vous tenez à l'écart des grands prédateurs. Quand vous avez le feu, vous éclairez la nuit. La nuit est venue, mais vous continuez à parler au coin du feu. C'est clair, on a l'anatomie de ces humains il y a 1,5 million d'années. Ils parlaient. Ça nous différencie beaucoup des animaux. Ils communiquent entre eux, mais ils ne parlent pas. Et puis on se raconte des histoires au coin du feu. On voit le cerveau humain qui va grandir en taille à ces époques-là. Et puis surtout, on va durcir les épieux de chasse et de guerre par le feu. Et enfin, plus tard, on verra que cuire les aliments, c'est quand même pas mal. Quand Lucie récupérait sur un cadavre de zèbre, abattu par des lions il y avait 10 jours, un morceau de viande, sur lequel étaient passés les hyènes et les vautours, il valait mieux le cuire, évidemment, bien sûr, évidemment. Et surtout, ce qui est très important, vous digérez beaucoup mieux un aliment cuit que cru. Donc, dans les cas de disette, c'était important de manger du cuit, puisqu'on avait une ressource plus grande à partager entre tous. La seconde grande date, c'est la domestication animale, l'agriculture. On a dit le néolithique, il y a 12 000 ans. On va commencer à élever des chiens, les premiers, puis des chats, on a dit des chèvres, des moutons, des vaches, plus tard des chevaux, des lapins. C'est aussi les plantes agricoles, bien sûr. On part de plantes sauvages, on les cultive dans un champ, mélangé avec du sauvage et du domestiqué. La vraie domestication, elle commence au 19e siècle, c'est très récent. Et là, on va vers le drame actuel de la monoculture. Il n'y a aucun système vivant mono-espèce. J'en connais deux qui posent d'énormes problèmes. L'agriculture intensive monospécifique, une forêt de pins, un champ de blé, il n'y a que ça. Un autre problème dramatique, c'est ce qu'on appelle les maladies nosocomiales à l'hôpital. Vous avez une salle toute neuve. Si vous ouvrez quelqu'un dans la salle, il est mort. Il reste une bactérie, un staphylocoque, un pseudomonas, un aéromonas. Il est mortel. Il a résisté à toutes les substances antibiotiques que vous avez utilisées. Et ça, c'est un drame dont on ne parle pas assez au niveau politique. Toujours à nos hommes politiques, l'antibiorésistance est un problème majeur en France aujourd'hui. Et on ne s'en préoccupe pas. Demain, des maladies qu'on savait très bien traiter, on sera incapable de les traiter. Parce qu'on a surutilisé ces produits. Et puis la machine à vapeur. Alors, est-ce que c'était une bonne invention? Oui, bien sûr. On a des bateaux qui marchent à la vapeur, plus à la voile. On a des tracteurs, c'est bien.
Au bout de deux siècles et demi, on commence à se poser des questions. Parce que qui s'est demandé la première fois où on a inventé ça ? Est-ce que c'est bien d'aller chercher du charbon et du pétrole que le système Terre avait stocké ? Ça gênait personne, hein ? Pour des milliards d'années, le charbon était dans le sol, des grandes forêts du Carbonifère. Il y a 345 millions d'années, et le pétrole venait du plancton marin entre 250 et 25 millions d'années. Qui s'est dit ? C'est Arrhenius, mais un siècle après, qui dira un prix Nobel, il dira, je ne sais pas si c'est bien de rejeter comme ça dans l'atmosphère ces combustibles et ce CO2 venus de l'usage du charbon et du pétrole. Et qu'est-ce qu'on paye aujourd'hui ? Alors, ce n'est pas notre faute, sauf qu'on continue. Bah, effectivement, aujourd'hui, dans une situation où on ne peut plus empêcher le changement climatique, il est là. Le collègue qui est responsable des risques à Paris, à la mairie de Paris, me disait, nous prévoyons, sérieusement, hein, c'est un polytechnicien très sérieux, nous prévoyons au moins 2 à 3 semaines, au-delà de 50 degrés Celsius à Paris, entre 2040 et 2050. On est 42 il y a quelque temps. Hein. Donc, c'est des questions qui sont extrêmement préoccupantes et intéressantes pour l'économie de tous les jours. Et puis, bien sûr, je prendrai l'exemple de Hiroshima et Nagasaki, parce que qu'est-ce qui s'est passé là ? Et moi, je ferai démarrer l'Anthropocène, d'ailleurs, à cette époque-là, pas à l'époque de la révolution industrielle. L'humain, par sa science, sa technique, est capable de simuler une grande catastrophe naturelle. J'avais fait un papier où je comparais Hiroshima à l'explosion du Vésuve en 52 avant Jésus-Christ. 3 minutes, 60 000 morts, c'est intéressant. Et l'humain se croit jouer à Dieu. Je suis capable de faire par ma science le même effet qu'un volcan qui crache. À une époque, le volcan qui a craché, l'humain était pour rien là-dedans, bien évidemment, quand le Vésuve a explosé. Et deuxième intérêt de prendre 45 comme référence, c'est l'explosion démographique. En 1945, nous étions un peu plus de 2 milliards d'humains. Nous arrivons à 8 aujourd'hui. Et c'est une question qui est absolument essentielle, bien évidemment, qu'on ne peut pas déconnecter du reste. Donc je ferai partie de l'Anthropocène ici, proposé par Paul Crutzen, Anthropo, l'humain, scène, l'histoire dans le temps, l'époque où l'humain est devenu la plus puissante force évolutive sur la Terre. Alors, regardez ceci. J'ai eu la chance, j'étais un privilégié, d'aller deux fois à l'original de Chauvet. Je pleure à chaque fois. On a le droit à 2 fois 5 personnes par an. Vous voyez, c'est quand même un super privilège. Je parle de l'original. Hein. Donc avec Jean-Marie Chauvet, qui est ici, là, il a découvert cette grotte, c'était le 19 décembre 1994. Il révèle Chauvet au monde. Il y a 14 espèces animales à Chauvet. Il n'y en a que 6 à Lascaux. Lascaux, c'est 20 000 ans. Là, 37 000 ans. Il y a plein de rhinocéros à Chauvet. Il n'y en a pas à Lascaux ? Ils ont déjà disparu, ils sont partis vers 22 000. Il y en a un à Lascaux, dans le puits au fond avec le bonhomme. Animal très rare à l'époque, mis dans un lieu magique. À quoi ça sert de faire ça ? La question que je vous pose, c'est ça. À quoi ça sert de dessiner ça sur un fond de grotte ? Où vous êtes le seul à être allé ? Vous ne pourrez pas les montrer à d'autres parce qu'il faut marcher dans la grotte et prendre des risques pour y aller. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font ? Ce que fait jamais un gamin, quand il fait un beau dessin, il dessine par-dessus. Jamais un gamin va vous faire un beau dessin et le suivant, il veut une nouvelle feuille pour faire son dessin. Là, on peint par-dessus, pas forcément à la même époque. Ça ne sert absolument à rien. C'est génial. Qui dessine comme ça ici dans l'amphi, là ? 37 000 ans. Et quand ils font ces peintures, il n'y a pas les animaux devant eux. Ils les ont vus une semaine avant, dans la campagne avoisinante, en fait. Hein. Ils ne sont pas en train de les regarder. Alors je me dis, si l'humain était capable de faire ça, peut-être qu'il pourrait faire un petit peu mieux aujourd'hui, finalement. Les lions en France, il y avait des hyènes, il y avait des panthères en France à l'époque. Tout ça est parti. Donc la question qui est lancée, c'est est-ce que nous sommes en train de mettre les conditions d'une nouvelle crise d'extinction parce qu'on détruit et on pollue, on surexploite, on dissémine tout partout, et enfin le climat change. C'est ça la question qui est posée aujourd'hui. Alors, les crises actuelles est différente. Parce que ça peut se passer plus ou moins vite, en fait, ces épisodes particuliers de l'histoire de la Terre. On surpêche, on coupe la forêt. Cette petite méduse, on la transporte, par hasard, dans un navire américain qui vient de Cape Cod, l'Est américain, en 1980, in the Black Sea, dans la mer Noire. Et il ballaste un petit 50 000 tonnes d'eau de mer. Dans cette eau du ballastage, qui est américaine, qui vient de Cape Cod, il y a une micro-méduse toute petite qui est venue sans son parasite et sans son prédateur. Ça, c'est la catastrophe. Elle explose.
Et en 10 ans, 1 million de tonnes de biomasse de micro-méduses américaines dans la mer Noire. On effondre 40 000 tonnes de pêche à l'anchois. Plus de travail pour les pêcheurs. C'est ça, c'est chose de dissémination irréfléchie d'espèces d'un bout à l'autre. Alors voilà le graphe le plus difficile que j'ai à vous montrer ce soir. Sur 10 000 ans, en vert, c'est l'effondrement du sauvage. L'accélération entre les années 50 et aujourd'hui, et l'explosion du domestique, en rouge les humains, en bleu les animaux domestiques. Ça, c'est très difficile, effectivement. En 40 ans, on a tué la moitié des girafes, la moitié des éléphants, presque tous les rhinocéros. Pourquoi ? Et c'est la vraie question qui est lancée aujourd'hui, qui vous crie à la figure. Pourquoi ? Et pourquoi accepte-t-on cela aujourd'hui ? Je vais continuer. L'eau. Nous sommes faits d'eau. Alors après, le bébé est fait aux trois quarts d'eau, garçons et filles. Et quand on prend de l'âge, il y a moins d'eau chez les filles que chez les garçons. Les femmes ont plus de masse de lipides. Je ne sais pas, ça doit faire les rondeurs dont raffolent les garçons, certainement. Et puis, une vieille femme, plus elle prend de l'âge, elle finit à 90 ans à 58% d'eau. Le garçon, au même âge, il a 62% d'eau. Et bien là, ces jeunes filles africaines vont chercher de l'eau. Pensez à vous aujourd'hui dans ce bel amphi de Sciences Po et aux études que vous avez commencées et que vous allez continuer demain. Elles n'ont pas accès à cela. Quand tous les jours, vous faites 15 km chaque jour, vous ne recevez jamais de salaire pour faire ça. Quand vous faites ça, vous n'allez pas à l'école. En Afrique, les femmes ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. Et pour finir, vous faites des mauvaises rencontres en route. Ça commence à faire beaucoup. Et ça, c'est le drame des femmes en Afrique. 700 millions de femmes sont concernées. Comment changer cela? Ça ne peut pas continuer. Et ces femmes qui ne vont jamais à l'école, eh ben effectivement, sont elles qui font 10 bébés, 8 bébés, 9 bébés par femme sur une vie. Il y a une belle courbe que j'aime beaucoup. Plus on éduque une femme, moins elle fait de bébés. Et ça, c'est très important partout où qu'on soit. Alors, j'avais dit ça, j'ai eu quelques démêlés avec des catholiques intégristes qui m'ont dit, moi, je suis éduqué, j'ai fait Sciences Po et j'ai 8 mômes. OK, moi, je veux bien. Hein. Mais si je prends globalement le système, c'est parce qu'elle est aussi sous emprise d'autre chose, hein, que je raconte ici, là. Dieu décide, moi, je veux bien, ça ne me gêne pas du tout. Sauf que pour le système global, si on continue... Moi, qui ai été élevé petit garçon en Bretagne, moi, je me rappelle, dans les années 60, c'était pas rare des familles à 5, 8, 12 enfants. Aujourd'hui, en France, c'est quand même très rare. Ben, c'est ce que font les Nigériennes aujourd'hui. Hein. Et j'entendais des écolos récemment qui disaient « C'est la faute des femmes africaines si on a des soucis aujourd'hui. » Ça me rend fou. Hein. Le glyphosate n'a rien à voir avec les femmes africaines. La surpêche du thon rouge en Méditerranée n'a rien à voir avec les femmes africaines. Trop facile. Qui est le bouc émissaire des systèmes? Alors, on arrive à la résilience. Un schéma de Boris Cyrulnik qui organisait l'an dernier, en juin 2018, le 4e congrès mondial sur la résilience. Allez chercher les actes du colloque. Avec 4 grands thèmes qui étaient le Rwanda. Il y a 20 ans, au Rwanda, on massacre un tiers de la population, 1 million de personnes. Tout à l'heure, on a parlé de trauma. J'ai beaucoup aimé le mot dans la bouche de Marie-Laure, le trauma. Comment on récupère d'un tel trauma? Comment on a laissé faire ça? Second thème, c'était le Bataclan. On a deux actions de l'ANR, l'Agence de la recherche, sur le Bataclan. On a commencé le lendemain de l'attentat du Bataclan. 20% des gens ne résilient pas. Et étrangement, ce n'est pas les gens qui étaient dans la salle, des gens qui ont été tués, c'est les gens qui étaient aux terrasses de café autour et qui n'ont rien pu faire. En fait. Troisième thème qui était insupportable pour moi, l'inceste. Et le dernier, j'étais là pour ça, les écosystèmes. C'est ce dont je vais vous parler maintenant. Comment résilier un écosystème? Alors, on peut modéliser ça mathématiquement. Voici une dépression nerveuse ou bien une abondance dans un écosystème. Donc, vous avez un système qui fluctue. Vous subissez le choc, le trauma. Alors, première question importante, ne l'oubliez jamais. On l'oublie toujours. Vous ne pouvez pas résilier si vous êtes mort. Ça paraît tout bête, mais réfléchissez. Les gens, on parle que de résilience. Ah, je suis désolé. Vous n'allez résilier que si vous êtes survivant. Donc le trauma, s'il est trop violent que là, je vais trop bas, ben on parle, c'est terminé, vous n'êtes plus là, c'est fini. Hein. Si on ne va pas jusqu'au bout, que vous avez résisté en partie, eh bien vous allez résilier en revenant plus ou moins vite à une situation qui ressemble à la situation antérieure. Si je prends l'océan aujourd'hui, il est en train de devenir un océan de méduses,
Et puis sur Terre, on est en train de perdre nos abeilles. Donc la résistance d'abord de l'écosystème, et si on n'a pas disparu, si on n'est pas arrivé là, on va résilier plus ou moins rapidement et plus ou moins bien. Et c'est ça qui est super intéressant. Et tout est lié au trauma que vous avez vécu. Et vous verrez dans votre métier de tous les jours demain, quelles sont les actions politiques pour permettre, d'abord permettre, et deuxièmement accélérer la résilience. C'est la vraie question. Donc je dis souvent aux gens, ne détruisez pas. Si vous détruisez toutes les forêts et tous les milieux littoraux de l'océan, il n'y aura pas de résilience possible. On me dit, l'océan est résilient. Oui, s'il n'est pas entièrement souillé. C'est ça la question importante, bien sûr. Une espèce qui a disparu, on ne sait pas la régénérer. On ne sait pas faire. Alors, c'est quoi la biodiversité? C'est ça qu'on montre tout le temps. Là, on était 25 chercheurs du muséum en Guadeloupe en 2012. Et on était sur la plage où étaient les touristes. Ils avaient leurs fesses sur le sable. Nous, on avait fait un énorme trou. Tous les gamins en rêvaient. 5 mètres de trou. Et on trouve des bestioles là-dedans que personne n'avait jamais vues. Parce qu'on n'était jamais allé les chercher là. Alors là, je vous ai fait une sélection des jolies, bien sûr. Hein. Je veux vous séduire. Aidez-moi à sauver la biodiversité. On me dit, bah oui, c'est Golden Royal. Je me dis, bien sûr, Gilles, on va vous aider à sauver. C'est trop beau. Hein. Mais ce n'est pas que ça, la biodiversité. C'est aussi ça. Ah non, monsieur le professeur, ça change tout. Le député de Perpignan me dit, mais attendez, on n'a pas beaucoup de sous. On veut bien sauver le joli crabe aux yeux bleus avec des longs cils, mais ce truc, le poisson globule, on ne va quand même pas le sauver. La femelle globule est aussi moche que le mâle globule. Ils s'aiment et ils feront des bébés globules aussi moches que les parents. Alors si ce n'est pas la biodiversité, des jolis comme ça, ou des moches comme ça, c'est quoi? C'est ça la biodiversité. Voilà la biodiversité. Alors quand je montre ça en Chine, à Shanghai, ou à Buenos Aires, en Argentine, bah oui, c'est bien un Français. Hein. C'est quoi un Français sans son pinard, son fromage et son pain? Chaque pain est fait avec des levures, avec des bactéries. Un roquefort, regardez ce que c'est. Nous-mêmes, nous sommes faits de bactéries. Si j'enlève le verre des bouteilles ici et le nickel des couverts, ce n'est que de la biodiversité. Alors, on me dit, pourquoi il faut la sauver? Mais qu'est-ce qu'on va bouffer s'il n'y en a plus? Avec qui on va coopérer? Autant de bactéries que de cellules humaines, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on s'est mis à élever des vaches. 1,3 milliard d'espèces d'animaux sur la Terre. Millions, pardon. Et puis, la vache. Partout, tout le monde mange de la vache. Tout le monde mange du poulet, pour les non-véganes, bien sûr. Plus de biomasse de vache que de biomasse d'humain. Et ce n'est pas sans problème sur l'environnement. Il y a deux livres très beaux, sortis l'an dernier, en plus, qui sont extrêmement intéressants. Jamais seul. Marc-André Sellos travaille sur les mycorhizes, les micro-champignons du sol, en harmonie avec les arbres. Il y a plus de biomasse de champignons dans le sol pour chaque arbre que tout ce que vous voyez de l'arbre. C'est comme l'iceberg. C'est fondamental. Et le second livre, c'est celui-ci. Tous entrelacés. Nous sommes tous entrelacés. Nous vivons en communauté avec nos bactéries qui dialoguent avec nos cellules. Des maladies aussi sérieuses que l'autisme, le diabète de type 2, l'obésité sont liées effectivement. L'Alzheimer à l'état de nos bactéries intestinales. C'est très, très important. Et pour vous achever, pour faire croire qu'on est bien en relation avec tout ça, je vais vous montrer une image dans 2 minutes. Ça, c'est une goutte d'eau de mer. C'est ça, la biodiversité. 98% du vivant de l'océan, c'est ça. Les baleines, les poissons, c'est que 2%. Depuis les origines de la vie, c'est comme ça, en fait. L'océan, 13% des espèces connues. Un fragment de sol. Prenez votre jardin que vous adorez, votre pot de fleurs, sur votre fenêtre ici à Paris, la terre qui est là. C'est le quart des espèces connues sur la terre. Des nématodes, des vers de terre, des tardigrades. 3,5 tonnes de bactéries, de champignons à l'hectare, 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare. Des colamboles, des acariens. C'est ça la biodiversité d'un sol. Notre agriculture actuelle a tué la moitié des sols en moins de 50 ans, la moitié. On ne nourrira jamais 8 milliards d'humains avec ces pesticides. Il y a un vrai combat de nous tous pour ramener du vivant dans les sols. Je fais 100 km en Beauce autour de Paris. Je ne vois pas un seul coquelicot. Je sais que tous ces sols sont morts. Il n'y a rien dedans. Vous prenez la terre, elle a une odeur pas possible, elle est blanche. Puis vous voyez de temps en temps un coquelicot, c'est que ce n'est pas entièrement foutu. Alors le rôle du paysan, ce n'est pas de faire des coquelicots, on est bien d'accord. Mais dès qu'il en a un petit peu dans ses champs, c'est qu'il n'a pas tout détruit.
Quand je vois des coquelicots, j'ai des vers de terre, j'ai des collemboles et j'ai des nématodes. Troisième écosystème sera mon dernier, l'intestin d'un bébé humain à la naissance. Je m'adresse à toutes les femmes qui ont déjà eu des bébés, celles qui en auront demain. Quel est le moment précis du contact d'un bébé humain avec la nature sauvage? Ça s'appelle la rupture de la poche des os. Le bébé, au départ, il est complètement dans son cocon, pratiquement pas de bactéries dans son tube digestif. À ce moment précis, les bactéries de l'utérus de la maman se précipitent pour aller contaminer ce bébé. Ce qu'elles font ici, là. Un bébé humain, il met 2 années à stabiliser sa flore. On a tous fait ça. C'est fondamental pour notre avenir. Et aujourd'hui, je regarde les durées de vie. Je terminerai là-dessus tout à l'heure. On n'augmente plus la durée de vie. Quels sont les gens qui ont 95 ans ou 100 ans en France aujourd'hui? Des gens dont la maman enceinte ne mangeait pas de pesticides. Des gens dont les bébés n'étaient pas en contact avec ces pesticides. Et aujourd'hui, les gens qui approchent nos générations, qui dès le début ont été en contact, parce que ce qui se passe est vraiment très important au début. Les 2-3 premières années de vie sont essentielles sur votre futur. Quelle maladie vous développerez? Quel type de cancer? Et ça, on l'a complètement passé sous silence. Regardez, on a fait le tour du monde avec Tara, on a séquencé l'océan, on ramène 600 000 séquences d'ADN de microalgues marines, des protistes. Et puis, regardez ici, en rouge sont des gènes du bébé, de mon tube digestif, en bleu des gènes de microalgues marines, en gris, vous avez, je ne suis pas différent de vous, on a 1/3 de nos gènes en commun avec les microalgues de l'océan. On est fait d'eau, on est fait de bactéries, 1/3 de nos gènes avec les microalgues de l'océan, qu'on arrête de me dire qu'on n'a rien à voir avec la biodiversité de la Terre. On est totalement dedans. Et pour vous achever cette image-là, c'est votre lit ce matin. Parce que vous y avez dormi chaque matin. Alors ça marche mon truc, vous savez, tout seul ou à deux, ça marche très bien. Vous avez entre 1 million et 2 millions d'acariens par lit. Et pourquoi ils sont là? Parce que vous avez dormi là. Vous changez de lit? Ils changent de lit. Je me rappelle un jour une jeune femme qui me dit « Mais c'est dégoûtant vos trucs, vous avez vu comment ils sont, vos bestioles, là ? J'ai un bébé de 3 mois, il n'est pas comme ça. » J'ai dit « Si, vous prenez votre bébé dans vos bras, vous le dorlotez, vous l'embrassez comme sait faire une maman, vous le gardez un peu dans vos bras et vous laissez le soleil frapper les draps. Un jour de beau temps à Paris, ça arrive souvent. Ou alors vous le prenez, vous le lavez bien, il est bien humide, bien chaud à 37, et vous le remettez dans son lit. Vous doublez la population d'acariens pour le lendemain. Donc j'espère que je vous ai convaincu. Nous sommes dedans, nous ne pouvons pas nous en passer. Il est absolument indispensable et évident que cette biodiversité, il faut la garder avec nous. Alors, quelle est la concomitance avec des événements humains, la technologie? Comment est-ce que la démographie s'est produite? Toujours par des inventions. L'agriculture, l'irrigation agricole, les métaux, la poudre noire, on va y revenir, la machine à vapeur, les vaccins, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques. Et on voit l'explosion de la démographie des humains. Et je vais revenir au premier polytechnicien qui a inventé l'arme de jet. On n'avait que ça pendant 3 millions d'années, un biface. Avec ça, quand les chasseurs actuels m'embêtent un petit peu trop, ça arrive des fois, je dis voilà, je te donne un biface et tu vas me tuer un sanglier avec. Croyez-moi, le sanglier, il a vraiment ses chances. Tout est à l'avenant, en fait. L'arc et la flèche, puis ça, la poudre noire, c'est une horreur totale. Quand je suis au Soudan, les gamins, ils ont 13, 14 ans, ils ont tous une Kalachnikov. Ça vaut 50 € en Afrique, une Kalach, aujourd'hui. Avec les munitions qui vont avec, ils tuent, j'ai dit exprès, mes éléphants, mes girafes, mes rhinocéros. Après avoir violé toutes les filles du village d'à côté, d'ailleurs. C'est ça, cette pseudo image de domination que l'humain peut avoir sur le système. Et là, je fais une grosse différence entre les filles et les garçons. Dans l'arrogance et dans la violence, ce n'est pas des femmes qui ont tué mes éléphants. Ce n'est pas des femmes qui ont tué mes girafes. Ce n'est pas des femmes qui ont tué les rhinocéros. Donc là, il y a vraiment, dans la reconnaissance de la femme, qui n'est pas du tout reconnue comme elle devrait l'être, hein, des questions d'écologie absolument essentielles. En fait, on a 3 gros défauts à tuer. Le premier, c'est l'imprévoyance. Prévoyant, on n'aurait pas inventé la machine à vapeur. On n'aurait pas déclenché le changement climatique. L'arrogance, surtout masculine, beaucoup plus que féminine. Les mecs sont arrogants, toujours meilleurs que les autres. Et le problème, c'est la cupidité. Et malheureusement, les femmes sont largement aussi cupides que les garçons.
Donc c'est là qu'il y a vraiment une réflexion générale à avoir sur nos comportements. We have to change. On va terminer en voyant comment on peut faire. Alors ça, c'est le papier qui a fait partir Nicolas Hulot. Nous sommes en mai 2018. Le muséum publie ses papiers. Un tiers de nos oiseaux disparus en 15 ans. Les collègues allemands, 75% des insectes qui volent sont partis en 27 ans. Un papier australien de 2019, cette année, qui nous dit « partout ils disparaissent ». Et la cause est très claire, ce sont les herbicides, les pesticides et insecticides. Même ce qu'on aime, on n'est pas fichu de les sauver. On a travaillé sur les animaux emblématiques. On a regardé 20 000 publicités. Qui c'est un animal ? Le chocolat lion, le thé l'éléphant, la voiture Jaguar. Et puis on a classé le nombre d'animaux cités dans leur fréquence de citation. Les lions, il reste 8% des lions qu'on avait au 19e siècle, 7% des guépards. C'est là qu'effectivement, même ceux qu'on aime, on n'est pas fichu de les sauver. Donc le tardigrade des Galapagos, tout le monde s'en fout. Ma grenouille de Darwin, tout le monde s'en fout aussi. C'est là qu'il faut qu'on change notre mentalité. Alors l'IPBES, donc il y a 2 mois, on a vécu ça en France, donc ils nous disent effectivement, vont disparaître effectivement entre 500 000 et 1 million d'espèces dans les 30-40 ans qui viennent. Pourquoi pas ? 15 000 références, 400 chercheurs ? Ça a fait un peu de buzz dans la presse, mais pas très longtemps. Cette jeune fille, quand j'ai vu comment elle a été reçue à l'Assemblée nationale, j'ai eu honte d'être un mâle d'Homo sapiens. Ces vieux mâles, que des vieux mâles, qui ont... Alors qu'on critique la vue d'une jeune fille dans une Assemblée nationale, on peut discuter de ça. Hein. Mais qu'on lui dise qu'elle a dit des choses fausses, c'est archi... Je défie, et d'ailleurs notre ami JMG Leclésio a fait un très beau papier là-dessus, en disant, trouvons une seule chose qu'elle a dit qui ne soit pas vraie. Elle dit quoi, écoutez les scientifiques ? Elle n'y connaît rien, elle est petite, c'est ses parents qui écrivent ses discours, elle est autiste Asperger. Quand vous l'avez les yeux dans les yeux, je vous assure qu'elle vit. Elle a réussi une chose qu'on n'a pas encore réussi, nous, elle vit ça avec ses tripes. Et c'est pour ça que dans les manifs de Gilets jaunes, on a eu 500 000 personnes dans la rue, dans les manifs climat, 500 000. Quand les catholiques descendent dans la rue, ils sont 1 million. Parce qu'on a touché à des choses qui sont dans leurs tripes, pas là. Et c'est là, effectivement, qu'on a vraiment des choses à changer aujourd'hui. Alors, c'est ce papier qui a fait basculer ma vie. Je lis ce papier en 2001. Et ben, je suis tellement bouleversé par ce papier, dans Science, que j'abandonne. Moi, au départ, je suis un endocrinologue fondamental. J'arrête tout. Et je me dis, je pars sur la biodiversité. Je veux déclencher, en scientifique, uniquement sur de la science, only science-based, sinon ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un écologue, pas un écologiste. J'ai fait une grosse différence entre les deux. Eh bien, on est parti là-dessus. Le papier du Monde, en novembre 2017, 15 000 scientifiques, demain, il sera trop tard. Grand titre du Monde. Le président Macron, 3 semaines après, réagit au sommet de la Terre, ici à Paris, à l'île Seguin, et dit « Nous ne prenons pas le chemin financier ». De la résolution de l'accord de Paris. Après, il a un peu oublié l'écologie. On en a reparlé un petit peu, là, au G7, la semaine dernière. Et le papier du Monde, après l'IPBES, là, on est il y a 3 mois. Lisez, c'est les mêmes caractères, la même revue. Hein. Il n'est pas trop tard pour agir. Alors voilà, comment on communique sur ces questions particulières. Et ça, ce matin, je faisais cours à des journalistes. Hein. Comment, avec le journalisme, on peut travailler ou réagir là-dessus. Qu'est-ce qui est important là-dedans? Ma réponse est très claire. Je ne suis pas un catastrophiste, je ne suis pas du tout collapsologue, je n'y crois absolument pas. C'est une philosophie qui est délétère et qui peut amener les jeunes dans une situation catastrophique. Je suis un donneur d'alerte, je l'accepte ceci bien sûr. Et surtout, il est trop tard pour être pessimiste. Ça ne sert à rien aujourd'hui. La seule façon, we have to change, c'est en réagissant qu'on changera quelque chose. Sinon, on dit, bah, écoutez, c'est foutu de toute façon. Je vais vous dire ça à vous, les jeunes filles qui sont là, et les garçons qui sont là. C'est foutu parce que nous, on a déraillé. C'est trop facile. On est mal embarqué. Si votre génération doit modifier profondément ses comportements, oui, parce qu'on ne vivra ni comme maman, ni comme grand-maman, mais avec un espoir certain. Je conclure là-dessus. Agriculture, bah, voilà tout ce qu'il faut faire. Je vous laisse regarder ça. Arrêter pesticides, insecticides, ne pas gaspiller l'eau, ne pas augmenter indéfiniment les surfaces agricoles, garder de la forêt tropicale, garder des wetlands, des zones humides,
arrêter de faire la monoculture, de la polyculture, de la permaculture. Ça, c'est essentiel pour demain. Et ça, ça peut, ça, on peut très bien faire. On sait faire ça déjà aujourd'hui. Je crois qu'on va réussir ça. Je suis dans un gros projet en Bordelais en ce moment sur l'arrêt des pesticides, sur la vigne. Hein. J'y crois. À l'échéance, 10 ans, on arrête les pesticides sur la vigne. C'est jouable. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que le vivant est affecté par le climat qui change, ça c'est clair. Mais le vivant qui s'en va affecte en retour le climat. Si j'enlève les forêts tropicales, il ne pleut plus. Il ne pleut plus en Afrique pour deux raisons, le climat change, mais parce qu'on a déforesté l'Afrique. Si un arbre, il sait faire pleuvoir. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'agriculture. Et on voit ces paysans s'agglutiner à la périphérie des grandes villes, eux qui ne sont pas des citadins. Ça, c'est bien la géopolitique, liée au changement du climat et à la biodiversité qui est beaucoup trop atteinte. La mer, quelques mots sur l'océan. Des milieux exceptionnels, du corail, des herbiers, des mangroves, la deep sea. Et ça, c'est une image de la semaine dernière, devant mon laboratoire à Banyuls, dont a parlé tout à l'heure Marie. On est allé 2 heures. Voilà ce qu'on a ramassé. On est en train de faire de l'océan un enfer de plastique. On en bouffe tous. 40% des poissons que vous pêchez sont déjà pleins de plastique et que vous mangez. Vous êtes pleins de plastique. Est-ce que c'est grave, docteur? Je préfère être sans plastique, quoi, c'est tout, hein, ça, c'est certain. Bon, c'est des vraies questions. Plus les métaux lourds, plus les perturbateurs endocriniens qu'on évoquait tout à l'heure. Regardez, ça, c'est un truc de mec, ça, encore. Les mecs, il leur faut des gros trucs, des machins gros comme ça. Concours de pêche basé sur la mort d'animaux sauvages, il faut quand même le faire. Hein. Les mecs trouvent ça normal. Je veux le plus gros. Mais regardez, la virilité, elle a pris un sacré coup, puisqu'entre 1927 et aujourd'hui, il est champion du monde avec 240 grammes, le type. Et c'est partout comme ça. On a tué tous les grands. Regardez ce petit garçon. Il n'a ni rétréci ni grandi. Il y avait en 1901 des morues de 200 kilos. La plus grosse, elle fait 25 kilos aujourd'hui. On a détruit systématiquement toutes les grandes espèces, en fait. Tous les grands individus des espèces. Alors ça, c'est l'inverse pour le marin tout à l'heure. Je surpêche les poissons pélagiques ici. J'en prends trop. Il n'y en a plus, donc il n'y a plus d'oiseaux marins qui les mangeaient. Je n'ai plus de baleines qui les mangeaient. Et je n'ai plus de poissons, de bouts de chaîne alimentaire qui les mangeaient. Ils sont partis, ils n'ont plus rien à manger. Comme ces poissons mangeaient du zooplancton, du plancton animal, il explose, lui, il n'est plus mangé. Et qu'est-ce que mange le zooplancton? Du phytoplancton, des micro-algues marines, mes protistes de tout à l'heure, là, vous vous rappelez? Or ça, ça joue un rôle fondamental dans l'océan vivant pour stocker du gaz carbonique. C'est l'océan vivant qui stocke. Quand on émet du CO2, aujourd'hui, il nous manque 30%. Il est dans l'océan. L'océan ne saurait pas faire ça tout seul sans la vie dans l'océan. Donc gardons ces micro-algues qui sont en train de disparaître aujourd'hui. On touche à quelque chose. C'est comme un pull-over. Vous imaginez un beau pull-over qu'a fait votre maman, là, ou votre grand-mère, ou vous, pourquoi pas. Hein. Et vous avez un beau pull. Et je vais faire un petit trou dedans. Et je vais commencer à enlever la maille. Détricoter. Et à un moment, vous serez tout nu. Ça va commencer quand? À quel moment, quand je détricote mon pull-over, je commence à me sentir pas très bien? C'est ça, ce qu'on fait aujourd'hui à la biodiversité. Pour conclure, donc, le climat qui change, c'est évidemment très important parce que, par l'observation satellitaire, je vous disais que l'océan est monté très vite au début, puis il avait arrêté de monter. On voit aussi la salinité qui change, l'acidité qui change. Ici, en discussion avec Thomas Pesquet là, et Bertrand Piccard sur le rôle des cosmonautes dans l'observation satellitaire de la Terre. Les 3/4 des données viennent des satellites. Et M. Trump, élu, première chose, à la NASA, je coupe les crédits d'observation de la Terre. Le climat qui change, je vous laisse regarder ça. Ça, j'étais au Chili au mois de janvier. Et c'était dans la presse chilienne, dans El Mercurio, pour le castellano. Buenos Aires, 45 degrés. Le même jour, Chicago, moins 45 degrés. Le climat ne change pas, bien sûr, c'est évident. Hein. Sur le même continent, le même jour, 90 degrés d'écart. Pas inintéressant, mais ce genre d'observation, bien évidemment, bien sûr. Hein. Extremo frio. Frio extremo et el calor extremo.
Les maladies, alors je ne vais pas en parler longtemps, mais c'est très important de savoir que 300 maladies nouvelles en France depuis 1940, liées, alors si j'enlève tout ce qui est lié à l'âge, on vit plus longtemps, et ce qui est lié à l'exposition au soleil, les cancers de la peau, tout le reste c'est lié à des effondrements de la biodiversité, à des mouvements de la biodiversité ou au changement climatique. La plus grande maladie du monde, c'est la pauvreté, qui doit vous intéresser tous les jours. Les ODD des Nations Unies, éradiquer la pauvreté, c'est fondamental. Si on n'y parvient pas, ça ne marchera pas. Les inégalités sociales sont dramatiques. Donc je vous disais, on ne vit pas plus longtemps. Un travail de Nature, il y a quelques années, il y a de plus en plus de gens qui ont 100 ans, ça c'est vrai, des femmes en particulier. Le record du monde, sur les 50 derniers records du monde, le record du monde étant à l'instant T l'humain le plus âgé sur la Terre. Les 50 derniers records du monde, 48 femmes. Il n'y a que deux fois des garçons qui étaient un Polonais il y a quelques années, toujours des femmes. L'actuelle, c'est une Japonaise qui a 116 ans, et la doyenne reconnue, malgré les problèmes posés par les Russes qui disaient qu'elle ne les avait pas eus, on a regardé, 122 ans, 4 mois et 17 jours, c'est Jeanne Calment. Eh bien, on ne dépasse pas ça. En 2008, ça s'arrête. On ne vit pas. Il y a de plus en plus de centenaires. Mais en moyenne, on ne vit pas plus longtemps, et on ne dépasse pas la durée de vie maximale. Alors, on s'est intéressé à l'énergie avec ça. On a publié ça avec les collègues médecins il y a quelques temps. On s'est dit, voilà, on va modéliser l'espérance de vie, ça c'est bien, le span life, la démographie, et je vais mettre en kilowattheure la consommation d'énergie. Ça change tout. On vit vieux dans les pays qui dépensent énormément d'énergie. Il y a une courbe fantastique. Quels sont les gens qui vivent le moins longtemps en durée de vie? Le Zimbabwe, 46 ans. Les records sont en Allemagne, en Italie, en France, aux États-Unis, au Japon. 84 chez les femmes aujourd'hui en France, 78 chez les garçons. C'est bloqué. On voit diminuer la différence entre les garçons et les filles. Les filles perdent moins d'espérance de vie en plus qu'elles n'avaient. Elles commencent à avoir une vie de garçon. Là, c'est intéressant parce que j'ai fait un truc qui est entièrement pas très correct. J'ai calculé le coût énergétique de Jeanne Calment. En 20 médicaments pris par jour, 26 degrés chauffés l'hiver dans l'appartement parisien, et puis 19 degrés refroidis l'été. Eh bien, je n'ai pas l'énergie sur la Terre pour amener 8 milliards d'humains à 122 ans, 4 mois et 17 jours. Donc, on relance le débat. C'est ce qu'on disait sur les inégalités, bien évidemment. Voilà notre papier dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a mesuré les gens, on a regardé les durées de vie. Vous avez Jeanne Calment ici, là. Vous voyez qu'on est vraiment sur une asymptote, hein. Voilà, les femmes vivent plus longtemps, et puis on ne vit pas plus longtemps aujourd'hui. La hauteur, c'est pareil, c'est stoppé. Et là, j'ai pris trois sports olympiques, le 800 mètres plat, je voulais une course, un lancer, et puis un saut. Donc j'ai pris le saut en hauteur, féminin, masculin, le lancement du poids, et le 800 mètres. Tout est au taquet. Ça, c'est les 10 meilleures performances de l'année. On a tout sur Internet, c'est génial. Les 10 meilleures performances de l'année, au 800 mètres plat, au saut en hauteur, et au lancement du poids. Et on arrive à des choses incroyables. Chez les filles, qu'est-ce que vous faites là? Aucune femme actuelle ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1986. C'est ça, l'humain augmenté, quand on nous rabâche les oreilles. Demain, vous allez vivre 1000 ans. On s'est fait attaquer par les transhumanistes, d'ailleurs, quand on a publié ce papier. Ouais, vous déconnez, vous ne tenez pas compte de la technologie. Si la technologie, c'est de shooter une petite fille à la méthyltestostérone dans le biberon, qui n'aura jamais de règles de sa vie, je préfère vivre dans le vieux monde, en fait. Et c'est là que ce sont des hérésies. Comment ça va coûter en énergie? Ils ne connaissent rien en écologie, ces gens-là, et rien en biologie cellulaire. Donc, ça, c'est les questions qu'on se pose sur le futur. Je passe rapidement. Je finis par deux espoirs, l'essence participative, unir tous les citoyens pour faire de la donnée scientifique, l'apporter, science-based. Ça, 10 000 personnes, 1,5 million d'heures d'observation. Et on montre qu'en 33 ans, en 18 ans, pardon, excusez-moi, en 18 ans, nos papillons ont fait 114 km vers le nord et nos oiseaux 33. Pour un degré de plus, ils devront faire 250 km vers le nord. Ils s'en vont vers le nord dans l'hémisphère nord. Ils s'en vont vers le sud dans l'hémisphère sud. C'est super puissant, super robuste. Science-based, grâce aux observations de tout le monde, vous compris, en fait. Donc, il y a deux thèmes, la licence participative, et le dernier, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme ou la bio-inspiration. Aller chercher dans le vivant nos nouvelles technologies. Et je conclurai là-dessus. Des formes, des couleurs,
des performances. Ces trains doublement inspirés du CX de pénétration dans l'air et dans l'eau du Martin Pêcheur ou du silence des ailes du hibou. Si le hibou fout du bruit, il ne bouffe pas, elle est partie, sa proie. Ça fait longtemps qu'il a trouvé les systèmes pour attaquer sa petite musaraigne au sol sans faire aucun bruit. Et mon chouchou, c'est la libellule qui est là. Regardez ce qu'elle sait faire. Elle vole à 90 km/h avec 2 watts depuis 345 millions d'années. Elle encaisse 30 G en accélération. Tout à l'heure, je vais vous emmener dans un manège ici à Paris, le plus terrible des manèges de Paris, qui vous lance en l'air, vous rappelez les trucs épouvantables. Vous payez 10 euros et vous vomissez votre 4 heures. Mais il y a des gens qui payent pour faire ça, de toute façon, c'est comme ça. Moi, mes petites filles, quand elles veulent faire ça, écoutez, j'ai fait une fois, mais je ne donne plus maintenant, c'est terminé. 5G, 6G, vous êtes vraiment mal. Un pilote de chasse à 6G, il est inopérant, le type. 30G, elle encaisse ma libellule. Mais comment elle fait? Des capteurs de vol incroyables. Elle est bien meilleure que n'importe quel hélicoptère de combat. Alors, au lieu de détruire les mares en mettant des pesticides dedans, allons voir comment elle fait, ma libellule. C'est l'emblème des samouraïs japonais qu'il avait reconnu au Japon en l'an 1000 comme unique espèce vivante qui ne recule jamais. Pour un guerrier, c'était génial. Et c'était l'emblème tombeau des guerriers japonais samouraïs au Xe siècle. Bon, je vais passer là-dessus. Ça, c'est tous les prix Nobel qui ont été obtenus à partir de modèles apparemment insignifiants qui servaient à rien, des étoiles de mer, des éponges. Juste un mot sur Timothy Hunt. Il a le prix Nobel en 2001. Il découvre la molécule clé du cancer grâce à une étoile de mer. Ça sert à rien, ça se mange même pas, une étoile de mer. On l'achète à la poubelle tout de suite. Elle devient une star mondiale parce que grâce à elle, on a découvert la molécule clé du cancer. Il y a plein d'histoires comme ça. Je pourrais faire une conférence là-dessus autrefois. Mais je vais terminer pour rassurer Marie-Laure. Donc voilà ce que disait un grand philosophe indien, qui était plus qu'un seul philosophe. Là, on est à une époque où il n'y a ni écologue, ni écologiste. Voilà ce qu'il disait sur l'humanité. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est drastic transformation. C'est quoi pour un biologiste? Ça s'appelle une métamorphose. We have to change. Pas uniquement en fermant le robinet qu'on lave les dents, c'est bien de faire ça. Hein. Il faut une métamorphose. Et je vais finir sur Edgar Morin, qui dit finalement, un débat avec lui, allez sur Internet, il existe, il y a 45 minutes d'un débat Gilles Leboeuf-Edgar Morin, on s'est régalé, au mois de mars dernier, sur un thème qui vous concerne directement à Sciences Po. Est-ce que la controverse scientifique est utile au débat public? Si ce n'est pas un sujet pour Sciences Po, dites-moi ce que c'est. Hein. Pour un sujet d'examen à Sciences Po, ça sera ça. Je suggère, vous verrez. Commencez à y réfléchir un petit peu. Comment on peut répondre à ça? Pas la polémique, la controverse scientifique. Et il dit, finalement, la Terre, c'est un vaisseau spatial avec 4 moteurs. Chaque moteur peut être finalement bénéfique ou délétère. Il parle d'économie, de profit, de technique et de science. Et il dit, c'est vrai, vous m'avez écouté. Alors, je ne suis pas là pour vous désespérer. J'espère que ça vous donne plutôt du niaque pour réagir, pas vous désespérer complètement. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec les collapsologues. Et c'est clair que là, le probable, il est vraiment préoccupant. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a fait ce soir ensemble? Et je remercie encore Marie-Laure de m'avoir invité avec vous ce soir. Qu'est-ce qu'on a fait depuis une heure, là? C'est ne pas accepter que ce probable-là se produise. Et pour qu'il ne se produise pas, ben, il faut qu'on change, évidemment. Si on fait comme on faisait avant, il se produira. Mais on a encore cet espoir-là. Et comme dit Edgar Morin, le futur n'est jamais joué. Et il dit aussi... Cette métamorphose dont on a besoin, elle n'est pas prévisible. Il nous faut une conscience humaine planétaire. Et il dit, en fait, on est Faber. Hein. J'ai un pantalon, des chaussures, vous avez une robe, des lunettes, on a des micros. Ma conférence peut être suivie en Australie. Ah, c'est Faber. On est pas mal démence, mais on n'est pas encore sapiens. Quel usage on fait des découvertes scientifiques et technologiques? Le vrai problème est là. Et Edgar dit, on est encore dans la barbarie à ce niveau-là. Il disait récemment au président Macron ceci. En fait, on sacrifie toujours l'immédiateté au système. Et on oublie effectivement l'urgence de l'essentiel. C'est ma dernière image. Pourquoi notre économie devrait-elle changer? Eh bien, en s'inspirant du vivant. Le vivant innove tous les jours depuis 4 milliards d'années. Tout le temps. Il innove pour tous, même pour les gilets jaunes. Parce qu'on fait aujourd'hui, on innove pour certaines technologies de gens ultra riches. Quand on produit des antibiotiques aujourd'hui qui coûtent 100 000 dollars le traitement, ça ne sert à rien, on n'a pas besoin de ça. À qui ça va servir? Comment on génère de la connaissance
Ismaël Serra Geldin, qui était le président de la grande bibliothèque d'Alexandrie, disait « J'ai compté sur la Terre aujourd'hui, tous les chercheurs actuels sont plus nombreux que tous ceux qui ont vécu dans le passé. Et malgré ça, le fossé entre les riches et les pauvres ne fait que se creuser. » Le vivant ne produit jamais une substance qu'il ne sait pas dégrader. Nous, on s'empoisonne 150 000 molécules de synthèse depuis les années 50. La chimie nous a inventé des molécules, le DDT, le terrible chlordécone à la Martinique en ce moment. Pour gagner 5 centimes sur le prix du kilo de banane, c'est travail pour vous, ça. On a empoisonné la Martinique pour 200 ans, dans une immédiateté incroyable, en permettant un produit totalement interdit dont on connaissait les effets délétères. Et c'est là qu'avec le monde politique, on a des soucis de communication. On ne peut pas travailler que dans l'immédiateté pour ces questions-là. Et puis, vous avez toujours un astuce pour vos... Elle fait des poisons, la vie, on dit. Si, un venin de crotal ou un venin de cône est horriblement toxique, mais la nature sait le dégrader. Il y a toujours un astuce pour vos déchets dans la nature. C'est l'humain qui a inventé les déchets, il n'y avait pas de poubelle dans la nature. Hein. La vache fait caca, il y a un scarabée qui bouge le caca de la vache, et puis ça marche comme ça, et puis ça marche très bien. Rien ne se crie, rien ne se perd, disait Lavoisier. Et puis, surtout la grosse différence, c'est que jamais le vivant ne maximise ni en coût, ni en énergie. Le vivant fait tout avec une très grande parcimonie d'énergie. Ma libellule, elle vole à une vitesse comme ça, avec rien en énergie. Alors finalement, en bio-inspiration, c'est intéressant parce que vous faites mieux qu'avant, plus efficace, moins cher, avec beaucoup moins d'énergie, sans produire de produits toxiques. Mais chaque industriel en rêve. Et voilà pourquoi on doit venir à la bio-inspiration et au mimétisme. Donc ma conclusion, elle est là. Elle est économique pour vous, là. Je pense qu'aujourd'hui, cette économie actuelle de l'humain qui consiste à faire du profit, en détruisant la nature et le vivant, ou en le surexploitant, c'est fini. Ça nous a amené à la situation actuelle. Donc je parle de ça avec les grandes entreprises. D'ailleurs, tu en parlais tout à l'heure. On était à Act for Nature, tu te rappelles, l'an dernier, le 10 juillet 2018. Le patron de Michelin avait été très intéressant dans son allocution. Par contre, il y avait Bayer et BASF, on n'est pas convaincu du tout. Hein. Comment demain, effectivement? Et c'est tout le rôle des entreprises à mission. On vous en parlera, c'est très important. Aujourd'hui, ça change. Le seul but d'entreprise, ce n'est pas que le profit. Je ne suis pas contre le profit si le profit permet de créer des emplois, ça c'est clair. Mais jamais au détriment de la destruction de la nature. Ça ne marchera jamais. Sinon, on finira comme ça. Je vous remercie pour votre attention. Thank you so much. Thank you really very much. The mics are here, so we have 15 minutes for questions. Donc bonsoir, je m'appelle Antonin, donc nouvel étudiant dans le master finance, et donc vous parlez du problème de la nature de l'homme et de ses activités qui sont néfastes pour l'environnement. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que le problème, avant tout, est un problème de nombre, de prolifération, de démographie? Et est-ce qu'on a des cas d'observation d'autres espèces où une espèce a complètement disparu à cause de sa prolifération dans un espace donné? Et est-ce que vous ne pensez pas que, du coup, à terme, la meilleure solution serait finalement une gouvernance mondiale et un règlement de la démographie plutôt qu'un changement fondamental de la nature humaine qui paraît un peu compliqué, quoi? Alors, il y a plusieurs questions dans cette question-là. Démographie, d'abord. On veut résoudre la démographie. Pour moi, on remet les petites filles à l'école. Et déjà, on change une grande partie de l'explosion démographique.
quand, vous voyez toutes ces... quand les talibans viennent à Kaboul en 2012 et la France négociait avec les talibans à l'époque, je négocierai jamais avec des gens comme ça, leur première mesure de retour à Kaboul, les filles ne vont plus à l'école. C'est absolument inadmissible. Donc ça, c'est un aspect important. C'est une histoire de femme, la démographie. Ensuite, c'était Gandhi qui disait « Élever un petit garçon, c'est élever une personne. Élever une petite fille, c'est élever une famille. » Donc l'éducation des filles, pour moi, elle est absolument essentielle. Alors bien sûr que moins nombreux, on aurait moins de courses à la ressource. Puis c'est vrai que ce serait compliqué dans tout ce que j'ai dit ce soir, c'est que j'ai globalisé les humains. Il est évident qu'un Zimbabwéen qui vit 46 ans au maximum consomme beaucoup moins d'énergie et gaspille moins et pollue moins que quelqu'un qui vit effectivement 95 ans et qui utilise tout ça. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, c'est intéressant. 46 ans, c'est la durée de vie d'un clochard dans le métro parisien. Intéressant, hein ? Donc si vous n'êtes ni jamais chauffé l'hiver, pas refroidi l'été, si vous avez des carences alimentaires, vous ne mangez pas à votre faim, et qu'en plus, vous vivez en stress perpétuel de l'agression des autres, vous vivez 46 ans. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération dans les injustices sociales que j'évoquais tout à l'heure. Chaque changement de biodiversité ou de climat amène à du social. Alors, sur la question, effectivement, de la gouvernance mondiale, oui. Parce qu'aujourd'hui, je prends le cas de la Chine. On vient dire aux Chinois, écoutez, vous vous développez trop vite, ça ne va pas du tout, vous comprenez. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, juste avant ? Qu'est-ce que font les Chinois ? En 30 ans, ils font ce qu'on a fait, nous, en 2 siècles, en fait. D'abord, ça ne sert à rien de leur dire ça, parce qu'ils s'en foutent complètement qu'on leur dise ça. Je me mets à leur place. Hein. Ils ont le cash qu'il faut pour faire leur projet. Donc là, évidemment, il faut qu'on tienne compte de ceci. C'est là que c'est le plus difficile, finalement. La nature globale, c'est de se dire tous les jours, est-ce que j'ai besoin de ça ? Est-ce que ce que je fais là, c'est une culture de l'impact ? Chaque fois que je fais quelque chose, je vous fais une conférence, qu'est-ce que ça va entraîner ? Hein, je vais prendre ma voiture pour aller là. Mais on voit des choses qui changent. Moi, je le vois sur les gens qui deviennent de plus en plus, non pas végétariens ou véganes, mais flexitariens. Manger moins de viande, c'est extrêmement important pour modifier l'impact sur le climat. C'est clair. Hein, les bovidés ont un rôle extrêmement important sur l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Puis après, le transport aérien, tout est à prendre en considération. Alors, qu'est-ce que chacun peut faire ? Son alimentation. Alors, moi, je vais faire des courses à la maison, j'ai le droit, je vais faire ça aussi, avec mon ami. Et bon, en ce moment, on ne mange pas d'avocat. Parce que tous les avocats actuels viennent du Kenya. Et je refuse de manger un avocat qui vient du Kenya. Ben, je ne mange pas d'avocat. Petit garçon, moi, je viens d'une famille modeste, à la pointe bretonne. On n'avait pas, j'avais jamais vu d'avocat, d'abord, jusqu'à au moins 20 ans. Et puis, j'ai 3 petites filles. Ben, je leur dis, on ne mange pas des mangues tous les jours, ni des avocats tous les jours. Une histoire récente que j'ai vécue, c'est un œuf de saumon produit par des éleveurs norvégiens, avec la génétique norvégienne. Ça va très vite. On le met dans un avion, il va au Chili. Passé en eau douce au Chili, il devient un beau petit poisson d'eau douce qu'on va transférer en eau de mer, comme les généticiens ont bien travaillé, 18 kilos à 3 ans. Et là, il est tué, abattu, on fait les filets et il est fumé à Boulogne. Et il sera mangé au Japon. Est-ce que vous pensez, je prends un exemple, mais est-ce que c'est sustainable ? Est-ce qu'on a besoin de cela ? Donc dans notre alimentation de tous les jours, on peut changer. Pour revenir à la deuxième question, où là, effectivement, on se sent beaucoup plus impuissant, où il faut une gouvernance au système global, c'est que la pollution chinoise, elle ne s'arrête pas aux frontières chinoises. Quand Thomas Pesquet était dans l'ISS, il a tout photographié, vous vous rappelez ces photos, hein ? Et il me disait, le seul pays que je n'ai pas pu photographier, pas parce que c'était interdit, c'est la Chine. Elle est sous un nuage de pollution en permanence, en fait. Mais la pollution chinoise, elle sort de la Chine. Il n'y avait qu'en France qu'on avait cru que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté complètement au contour de l'Hexagone. Alors, quand vous avez des gens aussi naïfs que ça, vous pouvez tout leur faire avaler, les Français. Hein. C'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont extrêmement difficiles parce que dans le mode de développement, parce qu'il faut qu'on se développe différemment d'auparavant, en étant beaucoup moins gaspilleur, beaucoup plus cultivé d'impact pour changer un peu nos modes de vie, mais en acceptant le développement des autres, hein, qui ont le droit aussi à un juste développement. L'histoire des migrants, par exemple, pour moi, c'est clair. Comme on est incapable de les accueillir, on ne sera pas mieux capable demain. La seule solution, c'est qu'ils ne partent pas. Et pour qu'ils ne partent pas, il faut que ce soit bien chez eux. Où sont les 1 000 milliards de dollars qu'on leur a promis en 2015 à la COP21 ? Ils n'ont pas touché un seul radis de ces 1 000 milliards de dollars. Et c'est là que c'est vrai que ces questions... Moi, je comprends les Italiens. Leur attitude est aujourd'hui est épouvantable. Dans l'immédiateté de ce qu'ils font, n'empêche que les Italiens ne peuvent pas récupérer tous les migrants qui viennent aujourd'hui des populations africaines. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Qu'est-ce qui se passe en Hongrie ? Comment on réagit ? Ce qui m'a plu dans le rapport de l'IPBS tout à l'heure aussi, que je vous présentais, c'est qu'ils disent 3 choses. Donc, effondrement du vivant, pas encore une extinction, on a dit, mais un effondrement du nombre d'individus dans les populations qui pourra amener à des extinctions.
Ils disent aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça va mal partout, mais quand même, dans les territoires gérés par des populations autochtones, ça va plutôt mieux. Donc, il y a des modes de gestion de l'environnement qui peuvent être mieux que les nôtres. Hein. Quand on voit qu'on perd aujourd'hui en surface, à peu près en France, tous les 7 ans, un département français de nature sauvage transformé en zone agricole, ces rendements agricoles, on a travaillé sur les pesticides, évidemment, avec les collègues du CNRS à Chizé. En divisant par deux les pesticides, on perd aller 1% du rendement. Mais le type, il fait son petit poids sous son blé, il gagne beaucoup plus d'argent. Il n'a pas acheté à peu près 240 euros par hectare de pesticides. Il n'empoisonne pas les gens. Donc vous voyez, il y a plein d'efforts qu'on peut faire. Mais il y a des vraies questions, je ne dis pas que c'est si simple que ça. Bonsoir, merci pour cette présentation. J'ai une question. Vous mentionnez que vous intervenez auprès de politiques, que vous intervenez auprès d'associations, mais également auprès du MEDEF et, comme ce soir, auprès de l'élite des leaders de l'entreprise et des entrepreneurs. Est-ce que vous pensez sincèrement que le monde de l'entreprise est à même de répondre justement à ce grand enjeu d'effondrement de la biodiversité, ou est-ce que finalement la problématique du profit, la recherche du profit qui est l'essence même de l'entreprise, elle ne mène pas à ce point de non-retour qui ne permet pas la résilience des systèmes? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que l'entreprise va se tourner vers la bio-innovation? Oui, je travaille avec eux, alors pas tous. Donc il y en a, je ne vais même pas les voir, ce n'est pas la peine que je discute avec, hein, c'est clair. Mais c'est en train de changer. Moi, je suis parti d'une génération de jeunes chercheurs, quand j'avais 20 ans, l'entreprise était le grand Satan, on ne travaillait pas avec. Hein. On était chercheurs publics, on ne gagnait pas de sous, mais on n'était pas riches, mais on avait notre liberté. Ça a beaucoup changé. Et plus je me suis rapproché du monde, d'abord des PME, je fais des centaines de conférences par an, en 3 langues, je disais, dans une vingtaine de pays, je rencontre beaucoup d'entreprises. Oui, c'est en train de changer. Parce qu'ils sont aussi pères de famille. Ils sont aussi grand-père ou grand-mère. Et finalement, quelle est la question pour une entreprise? C'est clair. Hein, je veux continuer à faire du business, à créer de l'emploi. Mon profit n'est pas la seule chose inéluctable que je veux créer, m'accumuler de l'argent. Mais je veux vivre au pays. Je suis bien ici. Je suis breton, je suis catalan. Très bien. Créer de l'emploi. Élever ma famille, mes petits-enfants, sans détruire l'endroit où je suis. C'est ça la vraie question aujourd'hui. Et ça, je pense que l'entreprise est vraiment en train de changer aujourd'hui. Mais je suis un gros naïf aussi. Hein. Moi, je vais faire quelque chose qui est un peu cavalier, et je vous demande de m'excuser, mais je pense que c'est assez à propos au vu du thème de la présentation à laquelle on vient d'assister. Si vous, membre de l'audience, c'est quelque chose qui vous effraie, mais vous pensez qu'il n'est pas trop tard, regardez un mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion. Oui, que je connais bien. C'est très intéressant et ça vous donnera peut-être des clés pour éviter l'effondrement du vivant et de la biodiversité. Qui vous mobilise, vous, en tant qu'individu, dans une action collective. J'aime bien ce qu'ils font. Je crois beaucoup plus à ça qu'aux collapsologues. Merci beaucoup. Excusez-moi. Non. Il faut être un peu militant. Hein. Mais il faut rester, on a dit, science-based. Hein. Tout ce que vous racontez doit être vérifié. Les fake news sont une catastrophe aujourd'hui. Le climat ne change pas. S'il change, l'homme n'y est pour rien. Se faire vacciner, c'est plus dangereux que les maladies infectieuses. Ça, c'est vrai qu'à 20 ans, à votre âge, moi, je n'avais pas ces problèmes de fake news. Hein. Donc, faut être... Vous savez, Sciences Po doit autant vous éduquer, vous enseigner, vous faire connaître, que développer surtout votre esprit critique. Bonsoir. Merci pour votre conférence. Je voulais vous poser la question de vos relations avec les politiques. Qu'est-ce que vous retenez de votre relation avec... différentes personnalités avec qui vous avez pu travailler, et peut-être aussi est-ce qu'il y a des différences en fonction des acteurs avec qui vous avez pu travailler? Donc est-ce que voilà, Ségolène Royal ou les vignerons bordelais, est-ce que vous êtes senti utile face à eux aussi? Voilà, merci. J'ai la vanité de croire que oui. Oui, si tu veux. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. En fait, j'avais une question qui rebondissait un petit peu sur la question de l'extinction rébellion. Est-ce que vous pensez en fait qu'il peut y avoir un changement et un vrai impact par la politique et la législation, ou ça devrait plutôt venir des citoyens, manifestations? Je crois nettement à la seconde hypothèse. Qu'est-ce qui incite un politique aujourd'hui à changer? Vous savez que comment vous changeriez si votre obsession c'est la réélection? Ça ne marche pas ce système-là. Moi, je suis pour un mandat unique beaucoup plus long, mais pas de réélection possible. Et là, vous prendrez les mesures courageuses, difficiles et impopulaires qu'il faut prendre, en disant aux gens, vous allez un peu souffrir,
mais pour éviter de terribles souffrances dans 30 ou 40 ans. Ça, c'est une vraie question intéressante. Pour revenir à votre question, c'est extrêmement dépendant des gens. Je vais citer même des noms. Je travaille avec Chantal Joanneau, on s'est très, très bien entendu. Elle était énarque, hein, Chantal. Elle n'avait pas eu des cours d'écologie, mais elle était très sensible à l'écologie qu'on a développée ensemble. Barbara Pompili, Ségolène Royal avait des vraies convictions. Je prends des noms exprès, ça vous resitue le débat. J'en ai écouté d'autres. Même aujourd'hui, hein, c'est compliqué de chercher effectivement des gens avec une vraie sensibilité environnementale. Quelle est la question? C'est de se dire, ces questions ne sont pas secondaires. Parce que sur l'histoire des Gilets jaunes, ce qui m'a ulcéré, c'est qu'on a fait croire à ces gens-là que l'écologie était un sport de riches. Alors que quand ça va aller mal, et ça risque d'aller mal si on ne change pas, on l'a bien vu, qui va trinquer en premier, ce n'est pas les pauvres. Donc c'est vrai, ce n'est pas les riches. Donc c'est là effectivement que ça dépend vraiment beaucoup des gens. J'ai eu des gens très motivés, qui faisaient ce qu'ils pouvaient, mais avec Nicolas Hulot, en plus j'avais une tendresse pour Nicolas, on se connaît depuis 40 ans, on montait les volcans de Bolivie quand j'avais 25 ans avec lui pour aller voir des machins incroyables, parce qu'il avait des hélicos où on allait, on ne pouvait pas aller nous, les chercheurs de base, hein, et avec des hélicos on peut discuter. Et c'est vrai que, qu'est-ce qu'il a pu faire? Quand je l'ai vu face, effectivement, à ces questions à l'Assemblée nationale, quand il crie « Indignez-vous » et que bah, personne ne descend dans la rue le lendemain, c'est ça la vraie question. Nicolas Hulot, en plus, c'est un peu magique, notre date choisie ici par Marie-Laure, c'est exactement un an, le 28 août 2018, qu'il annonce à France Inter le matin, avec Léa Salamé qui s'en va. Je me rappelle bien, c'était le jour, justement, de la, du lancement de l'école d'été du MEDEF. Alors, bien sûr, le Premier ministre dirait une tête pas possible parce que Coulon était parti un tout petit peu avant, Hulot s'en allait, il ne savait pas. Hein. Et Nicolas ne savait pas qu'il allait dire ça à la journaliste. Hein. C'est quand elle lui a dit à un moment, vous savez, il y a 2 millions de personnes qui nous écoutent, il dit, bah, je m'en vais, parce qu'on ne pourra pas me récupérer. Et je terminerai par une anecdote que je peux raconter maintenant, il y a prescription. Quand on fait Act for Nature à Paris avec ces 100 entreprises françaises là, le Premier ministre, il fait un lapsus monstrueux. Il dit à un moment... Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État de la transition écologique et solitaire. Alors j'ai vu mon Nicolas, ça fait ça un petit peu plus. Et puis un mois après, il partait. Donc c'est extrêmement dépendant des gens qu'on rencontre. Mais par contre, moi je vais suivre la jeune fille qui m'a interrogé à l'instant. Il faut un profond mouvement populaire pour que ça fonctionne. Hein. S'il n'y a pas effectivement rapidement des relais dans la population, ça ne marchera pas. Où est l'intérêt immédiat? En étant clair, on parle de lobbyisme. Ce matin, on m'a dit, ouais, les lobbyistes des grosses boîtes, les écolos sont très bons en lobbyisme aussi. Hein. Il faut bien voir qu'on est dans un combat aujourd'hui de lobbying qui sont à des niveaux très différents. Hein. Ce qu'il faut, c'est rester dans de la mesure et surtout ne pas raconter effectivement des choses qui sont fausses. Et c'est là que l'information joue un rôle très important dans les journalistes. Comment on parle de ces questions-là aujourd'hui? Il faut éviter des mots comme dramatique, des mots comme... Collapse, ça me va encore, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on le prévienne, c'est-à-dire qu'il faut qu'on l'interdise, tout simplement. Et tout à l'heure, on parlait du mur avec Marie-Laure. C'est pas un mur qui est en face de nous. Si c'était un mur, on le verrait, on s'arrêterait. C'est un espèce d'infâme marécage dans lequel on va mettre un pied, le deuxième. Vous vous rappelez, il y a des histoires de dessins animés comme ça. La main, la tête. On va partir sans s'être rendu compte, en fait. C'est comme mon pull que je détricotais tout à l'heure. À quel moment ça bascule? Le mur, c'est trop facile. Donc c'est là qu'il faut une volonté politique pour certains aspects, où l'État doit intervenir. Mais qu'est-ce qu'il faut? Une recherche fondamentale étatique, de la vraie recherche fondamentale sans but lucratif ou sans but, effectivement, de développement. Je prends un cas, Albert Fert, prix Nobel de physique en 2007 en France. C'était en 1978. Il fait des semi-conducteurs ultra fins, comme jamais on avait fait, carbone-silicium, et il met du courant électrique là-dedans. Il découvre un comportement des électrons qu'on n'avait jamais vu. C'est la magnétorésistance géante, la spintronique. 15 ans après, vous avez des ordinateurs qui ont ces mémoires grâce à lui. Donc, il faut maintenir ça. Il faut une recherche des sciences de l'ingénieur autant privée que publique. Il faut des entreprises. C'est quand même elles qui créent les emplois. Et ça, c'est votre boulot de tous les jours. Moi, il n'y a qu'en France qu'on croit qu'un État qui a 2000 milliards d'euros de dettes va continuer à créer des emplois. Ça n'a pas de sens. Et puis, il faut les ONG pour gratter là où ça fait mal, effectivement. Hein. L'histoire de Volkswagen, la tricherie sur les émissions, c'est une ONG qui révèle ça. Ce n'est pas une boîte d'État. Donc... Et puis, le citoyen là-dessus, comment on l'informe, comment on discute avec lui? C'est compliqué, je reconnais, hein, sinon. Mais il y a vraiment encore... Sur les 7 points tout à l'heure, il y en a 6 qu'on peut vraiment... Sur les 6, il y en a 5... Non, sur les 7, il y en a 6 qu'on peut résoudre. Mais il faut y aller. Il faut un appui politique aussi, bien évidemment. Hein. Il m'est proposé, si vous voulez succéder à Nicolas Hulot, sûrement pas. Moi, je serais allé accrocher le ministre de l'Agriculture au porte-manteau depuis longtemps. Hein. Quand on l'a piqué, ce qu'il voulait faire changer la nourriture des Français, c'était son idée. Hein. Ça lui a entièrement échappé.
c'est passé entièrement à l'agriculture. Et moi, je rêve d'un énorme ministère en France qui serait le ministère de l'agriculture, de la pêche, de la chasse, de l'environnement et de l'énergie. Là, ça marchera. Merci beaucoup, Thierry. Time to forget everything, and tomorrow we start to change everything. Okay, metamorphosis.